Pascal Tilly et Sylvie Mangeon a donné procuration à Valérie Bozertlec. Je vous propose de commencer par désigner un ou une secrétaire de séance. On continue avec Stéphanie Texera, qui a récupéré de sa marche le nettoyage d'Halloween. Y a-t-il des questions sur les décisions DIA ou décisions du maire qui ont été jointes à l'ordre du jour ? Pas de questions particulières. Merci. Je vous propose donc, sans tarder, d'approuver le compte-rendu de la séance précédente de notre conseil municipal du 27 septembre 2021. Y a-t-il des remarques, ajouts, modifications ? Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et notre ordre du jour appelle en première délibération le pacte de gouvernance métropolitain au rapport de Pascal Jacquemin. Et il faut prendre le micro. Peut-être arranger les choses quand même, parce que le masque ne les arrangeait pas. Oui, c'est nettement meilleur. Vous avez bien fait de me le dire. Alors ce soir, je suis donc à même de vous présenter le pacte de gouvernance qui, je dirais, n'est pas un marronnier, mais revient de façon régulière à chaque nouvelle direction, je dirais, à nouvelle équipe de direction, nouvelle façon de diriger donc la métropole. Et c'est bien sûr en conformité avec l'application de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014. Alors, on parle ici, à l'intérieur du texte que vous avez dû lire, de renforcer la culture de l'intercommunalité consécutif au statut de métropole. Nouveau statut depuis juillet 2016, dirons-nous, et la volonté d'un partage plus affirmé de l'exécutif. Chacune des instances est ainsi définie, voire détaillée. Ainsi, la conférence des maires est créée pour respecter le CGCT, c'est-à-dire concernant les territoriales, la L5211-3. C'est une obligation, une fois par mois, et présidée par un membre de la minorité. Les 20 maires composant la métropole y sont conviés. Reconnaissant que le fonctionnement actuel est insuffisant et, pour dire un peu, quand même indigent. Parallèlement, une conférence des DGS des communes métropolitaines se réunit. Elle se réunissait auparavant, et je trouve que ça, bien sûr, c'est une très bonne chose. Une charte de proximité a été créée pour apporter aux communes des prestations identifiées et convenues. Ceci dans une démarche de qualité, et c'est, disons, quelque chose qui s'est plutôt amélioré au fil des ans et au fur et à mesure des modifications qui ont été apportées par les uns et par les autres. Les territoires en jeu, alors ici, ne sont pas redéfinis, bien que préexistants. Ils seront soumis certainement à une nouvelle présentation. Enfin, je l'espère, il y avait des maires qui étaient demandeurs pour de leurs secteurs communaux, comme vous vous en doutez, qui étaient concernés. Et il serait bon, d'ailleurs, de prendre en compte les territoires circummétropolitains des EPCI voisins dans le cadre de mutualisations qui peuvent les concerner, voire envisager. On a d'ailleurs évolué sur ce terrain-là, puisqu'on a les syndicats mixtes des transports urbains qui se sont créés, et qui, au fil du temps, fonctionne pas trop mal. Il y a de temps en temps quelques loupés, et c'est comme tout, il faut s'améliorer. Ce pacte de gouvernance est une construction, je dirais, ouverte, partagée. Les mots ont leur importance, et c'est vrai que cette ouverture est confortée par des commissions présidées par la minorité au nombre de 2, ce qui était déjà le cas dans la métropole précédente.
Les groupes de travail et ou les comités de pilotage se réunissent selon la même philosophie antérieure. Les réunions d'adjoints et ou sur thématiques sont également reconduites. Alors, quant à l'exécutif, il rappelle la collégialité et la proportion des représentativités. Pas encore la parité, malheureusement. Le premier vice-président est à l'heure actuelle de l'opposition, et l'ensemble de cet exécutif, quelle que soit leur appartenance, s'engage à voter annuellement le budget. Le comité exécutif est bien noté comme étant l'organe de régulation permanent du dit exécutif, se réunissant une fois par semaine, comme la plupart des COMEX. La composition est rappelée, mais pose un petit problème de fonctionnalité, car tous les maires de l'agglomération métropole ne sont pas conviés. On se doit d'avoir des engagements forts, prolongeant les précédents, actant cette volonté d'intégration en y introduisant une représentation de facto de tous les maires constituant cette métropole sans ostracisme politique. C'est au prix de cette gestion, je dirais, partagée que l'institution évoluera positivement vers une démocratie mieux comprise et partagée par tous. Nous vous proposons donc, sur ce point que je viens de noter, de supprimer la fin du premier alinéa du point B du chapitre 2, qui, à la fin, indique ponctuellement, selon l'ordre du jour, que nous vous proposons de supprimer de ce document. Cela permettra d'inviter l'ensemble des élus au COMEX métropolitain. Quant au Conseil de la vie étudiante qui clôt ce document, il est heureux de le voir intégré à notre institution commune des étudiants en tant qu'ambassadeur actif de la métropole qu'il pourrait être. Voilà. Monsieur le maire, rapidement brossé, mais l'essentiel y est, ce document important de participation, je dirais, tous ensemble, à la gestion de la métropole du Grand Nancy. Merci. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur Perrault, bonsoir d'ailleurs. Oui, il me semble que cette délibération est soumise pour avis. Et en conséquence, je m'étonne qu'on puisse modifier ce document, qui est un document métropolitain proposé à l'ensemble des communes. Merci. D'autres remarques ? Alors, dans une célèbre tirade, on disait « c'est un peu court, jeune homme ». C'est pas moi, c'est pas de moi, et ça ne vaut pas adresse à notre collègue Perrault, mais le sujet me semble valoir plus de consistance et plus de débat. Et plus de contenu, comme l'a rappelé Pascal Jacquemin. Cette question, pas seulement celle qui tient dans l'amendement qui est proposé par la délibération, laquelle peut toujours prêter à discussion, on peut tout à fait imaginer de discuter et de voter l'ajout séparément, comme vous voulez, mais cette question, elle vient de très loin. Elle vient de très très loin et dépasse largement les sujets, que ce soit des sujets du moment ou des sujets d'accord ou de désaccord politique. On oublie trop souvent, parce que c'est une fierté de notre territoire, que nous avons encore la structure de coopération intercommunale, donc la métropole, la plus intégrée de France. Ce qui veut dire que nous sommes le territoire où
les communes, collectivement, et bien avant nous, et j'espère encore bien après nous, ont fait le choix de partager le plus grand nombre de compétences. Et je pense pour ma part que c'est un atout exceptionnel et que cet atout n'est pas acquis pour toujours. J'y reviendrai. On oublie aussi quelquefois, et ça c'est peut-être une limite, mais sachons en faire une force aussi, que corrélativement, ou en tout cas concomitamment, nous avons une métropole qui comporte un nombre relativement restreint de communes. 20 communes, c'est à peu près 3 fois moins que la métropole de Metz, pour un nombre d'habitants équivalent. Et donc, globalement, la puissance et la portée de ce transfert nous oblige collectivement, nous oblige nous, communes, puisque nous avons fait le choix de mettre en commun un certain nombre de choses, mais oblige aussi en retour la métropole. Oblige la métropole à partager et à ne pas penser qu'elle avance tantôt toute seule ou tantôt poussée ou accompagnée par la ville-centre. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur et une erreur qui tomberait au plus mauvais moment. Pourquoi au plus mauvais moment? Parce que dans le même temps, globalement, mais comme dans toutes les institutions multilatérales, comme dans toutes les structures agrégatives, la tendance est plutôt à la désagrégation. Le terme est trop fort, bien sûr. Mais la tendance est plutôt à reprendre un peu ses billes, parce que on n'a pas toujours le sentiment qu'on s'y retrouve. Alors ça porte quelquefois sur des sujets très, très techniques ou très proches de la vie quotidienne, c'est important aussi, mais ça se ressent aussi sur des sujets beaucoup plus essentiels, où la capacité à chasser en meute, comme on a l'habitude de le dire maintenant, est fondamentale. Et c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de savoir s'il y a une récompense et qu'on est invité une fois par semaine à un truc, à un endroit où on cause. C'est de savoir comment, demain, on construit ensemble notre métropole, on l'élargit peut-être, Pascal Jacquemin l'a évoqué aussi, qu'on l'élargisse institutionnellement ou qu'on l'élargisse dans les pratiques et la façon de travailler, comme par exemple on s'apprête à l'élargir avec la création de notre agence de développement économique du Sud 54. Donc cette question-là, elle est complexe. Elle est complexe compte tenu du fait que l'esprit métropolitain ne souffle peut-être plus de la même manière, parce que comme pour l'Europe, les pionniers ont un peu disparu, et puis qu'on se dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on y gagne? Il y a un petit peu de ça. Et puis, elle est compliquée aujourd'hui, parce qu'on voit bien que ce soit pour des raisons de bonne gestion, pour des raisons de rareté de l'argent public, ou peut-être pour des raisons de changement de braquet et de poids politique au sens le plus global et le plus noble du terme, on se dit, on pourrait peut-être passer à une étape supérieure. Qu'on se souvienne simplement des débats qui ont eu lieu, tantôt sur l'hypothèse de créer une commune nouvelle, tantôt sur l'hypothèse de fusionner purement et simplement nos communes dans le courant de l'année 2019 et qui peut-être aujourd'hui nous paraissent lointaines. Et c'est vraiment ça dont il s'agit. C'est vraiment de ça dont il faut que notre pacte de gouvernance puisse être le reflet. Aujourd'hui, si les sujets de fusion que j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, sont peut-être derrière nous, on a d'autres questions devant nous et qui devraient constituer le quotidien de la conférence des maires.
En tout cas, pour ma part, c'est le projet que j'ai formulé et présenté il y a maintenant un an, quand j'ai fait le choix de participer à un exécutif avec d'autres tendances politiques que la mienne. La plus évidente, c'est tout le travail sur la mutualisation. Aujourd'hui, les communes ne sont plus partie prenante de la mutualisation. Aujourd'hui, il se crée un certain nombre de fonctions mutualisées entre la ville-centre et la métropole. Bonne idée, pourquoi pas. Peut-être bonne idée. Mais difficile à savoir, puisque cette démarche n'est pas débattue. Et qu'elle n'est pas débattue avec les 19 autres communes tout autant concernées. Qu'elles mutualisent ou qu'elles ne mutualisent pas. Une mutualisation faite entre une commune la plus importante et la métropole est une démarche absolument fondamentale. J'aurai l'occasion, je ne veux pas alourdir le débat ce soir, mais j'aurai l'occasion de reprendre plusieurs exemples le jour du débat en Conseil de métropole sur ce sujet. Les communes ont besoin de travailler aussi aujourd'hui sur la façon dont on approfondit la discussion quotidienne métropole-commune. Plusieurs d'entre nous sont désormais membres des commissions métropolitaines. Excellente idée. C'est repris d'ailleurs dans ce document. Plusieurs d'entre nous, adjoints, quelques conseillers municipaux sur des fonctions précises, sont sollicités aujourd'hui par la métropole pour mettre en commun un certain nombre de réflexions. Si on met en commun un certain nombre de réflexions, demain on mettra en commun un certain nombre de politiques. Je suis pour. J'y suis complètement favorable. J'y suis sans doute le plus favorable des 20 communes, ou au moins des 19 communes qui ne sont pas Nancy. Donc personne ne pourra me reprocher ici. Ce n'était pas le sens d'ailleurs du propos de M. Perrault, je lui en fais grâce, je lui en sais gré. Personne ne pourra me reprocher ici de ne pas vouloir porter un esprit métropolitain. Mais plus on est métropolitain, plus on doit être communal. Ça n'est absolument pas antinomique, au contraire. Et aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, avant, après, tel jour, telle date d'élection, telle nomination de je ne sais qui ou je ne sais quoi. C'est aujourd'hui à l'instant T, et non seulement par rapport à l'acquis que je viens d'évoquer ou que je vais réévoquer, mais aussi par rapport au futur. Eh bien aujourd'hui, nombre d'élus et par conséquent de territoires. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les maires ne sont pas des élus ordinaires du Conseil de métropole. Ce sont les personnes qui ont été choisies par un territoire, plus ou moins grand, plus ou moins nombreux, pour les représenter, majoritairement. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de ces maires, peu importe qu'ils appartiennent d'ailleurs à la majorité ou à la minorité, ou à l'un des nombreux groupes désormais constitués au sein de notre métropole, tout ça est devenu plus compliqué, c'est moins qu'on puisse dire, peu importe qu'ils y appartiennent ou non, ils se sentent, et me semble-t-il, comme Pascal Jacquemin l'a rappelé dans son rapport et dans la présentation du rapport, ils se sentent pas entendus. Et ils se sentent pas associés au mouvement. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour la suite. C'est dangereux pour l'avenir de notre métropole. C'est dangereux pour notre capacité, d'une part, à bien travailler ensemble entre nous. Et corrélativement, c'est dangereux pour notre capacité demain à faire envie à des territoires voisins, de s'associer plus ou moins fort avec nous.
Et donc, je pense que le texte qui est proposé correspond à un état des choses qui pourra d'ailleurs un jour être peut-être revu. Ça peut être évolutif, mais qui aujourd'hui fait qu'on ne peut pas se permettre de laisser 5 de nos collègues maires, qui représentent, je n'ai pas fait de total, mais qui représentent une population non négligeable, qui souvent sont aussi, c'est tout bête, les seuls représentants de leur commune au sein de notre conseil de métropole, en dehors du processus que je viens d'évoquer. Et comme la conférence des maires n'a pas remplacé ça, comme la conférence des maires ne travaille pas sur ce sujet, comme la conférence des maires s'occupe de savoir si le jour, sujet très important, qu'on ne se méprenne pas, mais si le jour de collecte des ordures ménagères convient à la commune X ou à la commune Y, je pense qu'on ne peut pas laisser la chose en l'état. Et corrélativement, ce qui va me permettre de répondre à notre collègue Perrault, je pense qu'il faut faire deux choses. Il ne faut pas se mettre en situation de rejeter d'un bloc ce texte, parce que ce texte, il a sa vertu, il a un certain nombre d'intérêts, premier sujet. Et deuxièmement, je pense que si on ne pointe pas le lieu et la réalité de la difficulté, et qu'on rejette en bloc, ou qu'on accepte en bloc, on a raté une opportunité. Voilà le sujet. Alors, par rapport à la remarque de notre collègue Perrault, vous avez compris ce que je veux bien vous proposer. Je veux bien proposer de savoir, et on votera forcément ensuite successivement, on votera préalablement la proposition d'amendement, et ensuite le texte complet. Mais je peux parfaitement entendre que certains souhaitent plutôt adopter ce texte en l'état. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais en revanche, je ne peux pas me permettre d'affaiblir la proposition de notre conseil municipal en faisant disparaître le seul point, je vous l'ai dit, plus significatif que les 5 ou 6 mots que l'on propose de retirer ne le laisseraient penser, mais en tout cas, qu'on flèche et qu'on indique où est notre problème, parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais on en a important. Et on en a important qui, après, là, cette fois, un an et demi de pratique du nouveau dispositif, nous permet de considérer qu'aujourd'hui, ça n'est pas mûr. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, je vais aller un peu plus loin encore pour essayer de satisfaire M. Perrault, puisqu'il nous semble important de marquer où est la difficulté. Et puisque débat sur le sujet et le statut juridique de ce texte, je peux parfaitement indiquer, proposer qu'on vote même d'abord sur l'ensemble du texte. J'inviterai juste nos collègues qui sont favorables à l'amendement à se prononcer contre ce texte en l'état, parce que ce texte en l'état ne nous convient pas, je le dis franchement. Et puis ensuite, nous renverrons le texte amendé à la métropole qui en fera ce qu'elle doit. Mais je pense que, quelle que soit la lecture juridique qu'on en fait, avoir à se dire, surtout sur le pacte de gouvernance liant les communes et la métropole, que tout ce que peut faire une commune, c'est dire oui ou merde, je pense que c'est la marque d'une vraie difficulté. Je pense qu'on peut aller au-delà. Je pense qu'on est au quotidien, tous les jours, dans le fonctionnement de cette métropole. Et qu'on peut avoir un regard, fût-il acéré, mais en l'occurrence acéré avec un sens de l'économie de moyens et de la sobriété du propos. Je pense que dans certains conseils municipaux, le propos a été plus carré, plus hostile. Je pense qu'on peut s'offrir aujourd'hui, ce soir, la possibilité d'être intelligent, prospectif et propositionnel. Donc, je vais aller au maximum de ce que je peux proposer pour
répondre à la préoccupation de notre collègue Perrault. Nous allons faire première adoption du texte en l'état, qui risque, je vais repasser la parole à Pascal Jacquemin, du texte en l'état avant amendement. Ensuite, nous délibérerons sur l'amendement, puis nous délibérerons sur le texte amendé. Ça fait 3 votes, mais ce n'est pas grave. Alors, Monsieur Perrault, Madame Bozertlec, puis Monsieur Jacquemin. La parole à ma collègue. Alors, soit, Monsieur le maire, vous n'avez pas compris l'intervention de mon collègue qui n'était nullement en opposition au principe même de l'intercommunalité, puisque, effectivement, les forces de gauche ont toujours été favorables à la mutualisation des compétences et à la mise en commun aussi des dynamiques territoriales. Donc, il n'y a pas de leçon à recevoir sur ce point, parce qu'il n'y a pas d'équivoque de notre part. La question portait très concrètement sur la forme. Nous avons sous les yeux une délibération numéro 1 qui stipule bien qu'il est proposé au conseil municipal d'adopter un amendement. Il n'est pas proposé de valider un texte. Et donc la question effectivement de fond, qui est une question, on va dire, de conformité aussi réglementaire, sur quoi on vote concrètement? Moi, j'ai sous les yeux un projet de délibération qui porte sur un amendement. Nous n'avons pas exprimé pour l'instant que nous étions contre cet amendement. Nous avons simplement exposé un problème de méthode. Oui, et donc pour compléter, effectivement, si la délibération avait été présentée, effectivement, je suis d'accord que ma remarque était un peu courte. Je vous remercie de me l'avoir fait remarquer. Je vais donc préciser. Le pacte de gouvernance a été discuté en métropole avec l'ensemble des groupes politiques. Et donc, c'est le fruit d'un travail de concertation qui s'est déjà mené à la métropole. Je pense qu'on peut reconnaître à ce texte la volonté d'intégration que vous avez par ailleurs soulignée. Et donc, effectivement, s'il s'agit de donner, de donner un avis sur ce pacte, nous voterons favorablement. Par contre, compte tenu de la formulation, et si le vote se fait en deux étapes, la deuxième étape concernant cet amendement, nous nous abstiendrons parce que nous considérons que c'est mettre le doigt dans une dynamique finalement qui va à l'encontre de ce qui est proposé dans cette volonté d'intégration. Un accord était trouvé en métropole sur un texte et ensuite les communes viendraient proposer un certain nombre d'amendements. Je ne nie pas le débat ou la nécessité du débat. Vous pouvez avoir effectivement un avis à l'occasion de la présentation de ce texte en conseil municipal, notamment en formulant un certain nombre de remarques. Mais nous demander d'aller vers un amendement qui modifie le texte qui a été construit par l'ensemble des groupes politiques à la métropole, ça nous pose un problème. Donc oui sur le pacte de gouvernance, abstention en ce qui nous concerne sur la proposition d'amendement. Merci, voilà qui est clair. Pascal Jacquemin. Oui, merci. Alors, c'est simplement parce que moi, j'entends bien ce qui est dit, mais un avis, c'est un avis, et nous donnons notre avis, parce que je pense que par la nature de la modification qui est proposée, cet amendement ne dénature pas, mais je dirais plus, enrichit ce texte. Alors, moi, je suis un peu surpris quand même de votre positionnement. Mais moi, je savais que les hindouistes avaient des intouchables, les catholiques, l'infaillibilité du pape, les musulmans croient en ce qui est écrit dans le Coran, voire les hadiths, qui est leur socle théologique et législatif. Moi, je pensais que les gens de gauche étaient adogmatiques. Moi, je suis adogmatique. Et je peux remettre moi-même en cause la parole lorsque celle du prophète, pardon, du dirigeant n'est pas bonne. Ben, ce n'est pas votre cas, c'est un peu dommage, parce qu'il faut dire que depuis longtemps, moi, je crois, et là, nous avons l'occasion peut-être d'enfoncer ce point particulier, à la démocratie participative. On en reparle beaucoup ces derniers temps. Celle où l'individu, le citoyen, l'élu
débat de la démocratie et de ses pratiques. Alors effectivement, le texte a été débattu au niveau des, je dirais, des patrons, hein, parce que moi, personnellement, au niveau du groupe, on en a un peu débattu, mais je peux vous dire qu'au niveau du conseil municipal et des élus, je pense que les élus de toutes les communes ont le droit d'en débattre, et ce soir, c'est un peu le cas, excusez-moi du peu, des élus de Villers-les-Nancy. Alors, si l'élu ne participe pas au débat, et c'est ce que vous proposez en l'écartant du débat sous prétexte qu'un certain nombre, effectivement, d'élus sont minoritaires à la métropole, des représentants pourtant dûment élus par la majorité de leur commune. Je dirais que là, on a un hiatus démocratique, ce qui a été signalé par M. le maire, et que nous voulons simplement dire à la présidence, mais à l'ensemble de cette collectivité métropolitaine, parce que je crois que nous ne sommes pas les seules communes à approuver des modifications au niveau de ce document. Et il y a ce hiatus démocratique. Alors, vous reprenez à votre compte le débat un peu ce soir. Enfin, je l'espère que non. Hein. Vous allez certainement me contredire là-dessus. Sur la Majo et la Mino, que la gauche a cultivée pendant des années, et on a vu où ça l'a amené, malheureusement. Alors, de plus, je dirais, il y a une véritable contradiction avec le règlement intérieur de la métropole. Parce que moi, j'ai voté et je me suis abstenu. Parce que le règlement de l'intérieur de la métropole met à l'amende les élus qui ne participent pas aux travaux de l'Assemblée. D'ailleurs, au bout de deux absences, on vous supprime une partie de vos émoluments. C'est ce que nous avons voté. Et là, vous avez des élus qui veulent participer au fonctionnement de l'Assemblée et vous les refusez. Moi, je ne comprends pas très bien. Je pense que de ce côté-là, il faut franchir une barrière mentale et aller de l'avant. Monsieur Perrault, après, j'ai des choses à dire. Non, mais je ne peux pas laisser dire un certain nombre de remarques sur ce, d'amalgame presque, comme si ce texte était l'émanation d'un prophète. Enfin, franchement, c'est un texte qui a été travaillé et c'est pas de ma responsabilité. Enfin, notre collègue Jacquemin, en plus, ça me fait doucement sourire parce que, sous le masque, parce que, sauf erreur de ma part, il appartient à la majorité métropolitaine. Il fait partie d'un groupe qui appartient à la majorité métropolitaine. Et dans son groupe, il est censé avoir travaillé ce texte. En tout cas, dans le groupe auquel j'appartiens, le groupe SOC, nous avons travaillé ce texte. Et ce n'est pas les chefs de groupes politiques qui se sont mis d'accord sur cette rédaction. Ce sont bien l'ensemble des groupes. Et je le renverrai donc à son président de groupe pour savoir si le débat a eu lieu au sein du groupe. Mais en tout cas, au sein de notre groupe, nous avons travaillé ce texte. Il sera d'ailleurs, par la suite, présenté en conseil de métropole, si je ne m'abuse. Donc je ne peux pas laisser dire que ce texte-là est la rédaction d'un seul homme. Au contraire, le débat a eu lieu au sein des groupes politiques de la majorité, enfin de la métropole. Donc voilà, je crois que il faut considérer que le débat a eu lieu, qu'un consensus a été trouvé sur un texte qui va d'ailleurs très loin dans l'intégration des différentes composantes, des différentes forces, et le nombre d'instances qui composent la métropole permettent quand même à beaucoup d'élus, qu'ils soient membres d'exécutif ou pas, de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, je crois que c'est un souci de cohérence, de respect du travail qui a été effectué en amont, et c'est la raison pour laquelle nous nous étonnons, je le redis, d'un amendement qui viendrait encore à nouveau perturber cette rédaction. Que va-t-il se passer si les 19 communes ou les 20 communes de la métropole procèdent de la sorte? Alors, je suis très étonné de ce que je viens d'entendre. Alors, d'une part, ça n'est pas tout à fait un détail. Je donnais de leçons à absolument personne. Je tenais juste à replacer le débat dans son enjeu et sa temporalité. Je crois que d'ailleurs, ça, c'était compréhensible comme ça. Je suis tout à fait étonné et donc profondément renforcé dans la proposition qu'on vous fait ce soir d'entendre ce débat. Parce que l'avenir de Villers ne se discute dans aucun groupe
politique de la métropole. Et Dieu merci, pas plus le mien que celui d'autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et après en avoir longuement discuté avec lui, nous n'avons eu aucun problème avec Pascal Jacquemin pour ne pas siéger dans le même groupe. Un groupe politique, ça a deux différences par rapport à Villers. D'une part, c'est un groupe politique constitué par des affinités politiques, mais surtout, c'est un groupe métropolitain qui est fait pour travailler sur l'intérêt de la métropole, qui est fait pour déterminer la position de la métropole, qui est fait pour aller pour la métropole. Et c'est ce que je fais personnellement au sein de mon groupe, et je suis très heureux que d'autres le fassent au sein des leurs. L'avenir de Villers, c'est l'avenir de Villers. Ça se discute ici, avec les gens d'ici, et sur la base de l'intérêt communal. Et par conséquent, il n'y a absolument aucune contradiction à ce que un groupe, le plus souvent d'ailleurs très majoritairement composé d'élus qui ne sont pas, quelquefois pas dans la majorité de leur commune, et pas forcément dans l'exécutif dans leur commune, c'est une chose, c'est une façon d'exprimer, c'est un lieu de démocratie, mais ça n'est pas le nôtre. Ça n'est pas le nôtre. Et imaginer que notre avenir ait été tranché par la discussion de ces groupes, si respectables soient-ils, me paraît relever du contresens. Et me paraît justifier que plus que jamais, la position des communes en tant que communes soit réaffirmée plutôt que de plonger dans un magma métropolitain qui ne nous amènera nulle part, ou qui plutôt amènera nos concitoyens à ne plus comprendre comment fonctionnent leurs communes et leur intercommunalité. Encore une fois, ce texte est doté de nombreuses vertus. Il a été travaillé par les équipes métropolitaines, peut-être de façon d'ailleurs ouverte, et d'ailleurs le groupe auquel j'appartiens a participé à cette rédaction. Je le confirme. Mais il a travaillé pour les élus métropolitains travaillant au sens de leur métropole. Quand on rentre ici, on devient un élu municipal. Et on débat de l'intérêt municipal. Et l'intérêt municipal ce soir, et même si aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, votre maire est membre de l'exécutif et par conséquent siège au COMEX, c'est le cas, c'est pas forcément écrit pour toute la vie. Imagineriez-vous que votre maire disparaisse du COMEX et ne paraisse plus et ne siège plus dans les instances qui font aujourd'hui avancer cette métropole? Je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'interrogeraient. Or, ce que dit ce texte aujourd'hui, si nous ne l'amendons pas ce soir, c'est ça. Et donc, au-delà même de la solidarité envers 5 communes qui, encore une fois, ne sont pas exclues du COMEX pour des raisons d'appartenance politique, c'est pas ça la question. Elles sont exclues du COMEX, compte tenu du statut actuel de leur maire. Et d'ailleurs, du coup, on comprend plus bien ce que leur maire vient faire dans le COMEX. Ce que les autres maires viennent faire dans le COMEX. Donc, l'enjeu, c'est celui-là. Donc, pour que les choses soient bien transparentes, nous allons procéder à 3 votes. Nous allons voter le texte qui nous est proposé par la métropole, après les travaux qui ont été fort justement rappelés par notre collègue Perrault de la métropole et de ses groupes politiques. Texte que je vous proposerai, pour ce qui concerne notre majorité, de rejeter. Nous voterons ensuite l'amendement dont nous avons compris que la minorité allait s'abstenir. Et ensuite, puisque le texte sera amendé, je vous proposerai de voter le texte dans sa globalité après amendement. C'est bien compris ? Je le mets aux voix. Non, mais c'est un petit côté technique. Je pense à ceux qui sont devant le Facebook.
peut-être en train de terminer un café ou un dîner, ça peut être un tout petit peu indigeste. Il n'empêche, il faut quelquefois le faire. Bien, je mets donc aux voix le texte présenté par la métropole comme projet de pacte de gouvernance qui inclut, jusqu'à présent, puisque c'est le texte initial, les 6 mots qu'il vous était initialement proposé de supprimer. Qui est contre ? On s'est bien compris. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Voilà, au moins c'est cohérent. Je mets donc aux voix l'amendement qui enlève les 6 mots ponctuellement selon l'ordre du jour, qui donc vise, pour qu'on soit bien clair, à faire en sorte que tous les maires de la métropole soient associés aux travaux du comité exécutif de la métropole, qui est pour cet amendement, qui s'abstient. Voilà, merci. Je mets donc aux voix la totalité du texte ainsi amendé, qui est pour le texte amendé, qui s'abstient. C'est logique. Merci. Merci. Merci de ce débat qui valait bien ça, même s'il est resté, bref. Il n'empêche, je vous assure que ce sont des sujets, je ne sais pas qui a raison, c'est l'avenir qui le dira, mais ce que je sais, c'est que ce sont des sujets absolument fondamentaux et qu'il faut traiter avec le plus grand soin, en dehors des considérations ponctuelles et des calculs. Au rapport de Stéphane Klopp et Pascal Jacquemin, dans l'ordre et le volume qui leur conviendra, nous avons les rapports d'activité de la métropole, le rapport donc de développement durable, le rapport du prix et de qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement et le rapport de prix et de qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors je ne sais pas si vous aurez le document au tableau, je ne sais pas. Enfin, je vous le montre quand même qu'il n'y ait pas d'erreur, c'est bien le document rouge qui est le rapport d'activité de la métropole. Alors on m'a demandé de faire précis et concis, parce que vous en doutez, c'est quand même un peu complexe, complexe car compliqué par le rappel que l'EPCI du Grand Nancy a été confronté à la crise sanitaire que l'on connaît. Des outils de coopération entre élus et citoyens ont été mis en place pour acter de nouvelles collaborations. C'était le Conseil de la vie étudiante, 36 membres, la commission consultative des services publics locaux, 30 membres, Conseil du développement durable que vous connaissez, 110 membres. Conseil citoyen des quartiers de la politique de la ville, 150 membres. Ce qui fait plus de 110 citoyens bénévoles issus de la société civile. C'est vrai qu'il va falloir faire fonctionner tout cela et ce n'est pas évident. Le volet santé est le reflet, vous en doutez, de la lutte contre le Covid qui a accompagné les professionnels de santé tout au long de cette crise qui n'est pas finie. Alors, c'est vrai que la lutte contre les fake news qui est apparue à travers ce rapport est devenue un aspect aussi incontournable de l'action publique. C'est nouveau. Et à travers ce tumulte, je dirais, il a fallu maintenir la cohésion sociale, lutter contre un paupérisme s'aggravant. C'est quand même quelques 600 000 euros qui ont été versés en 2020 à des chantiers d'insertion, 600 personnes employées, pour le soutien scolaire, pour la lutte contre la fracture numérique qui est réelle, tout en restant attentif aux jeunes, qui a été un point crucial aussi pendant cette crise. 52 000 étudiants, entre autres, qui ont reçu une aide alimentaire, 9 945 000 euros. Et il y a eu aussi, avec ce fonds d'aide aux jeunes, 760
et 11 jeunes qui en ont bénéficié, une solidarité avec les acteurs de la culture, du sport, pour maintenir au mieux l'emploi, parce que ça, c'était aussi un enjeu fort. 2000 colis de Noël remis aux jeunes en grande difficulté. Le sport professionnel qui a été accompagné dans une partie, parce que tout n'a peut-être pas pu être aidé. Une continuité pédagogique qu'il était nécessaire de faire auprès de certains jeunes, notamment je pense au conservatoire, ce qui a permis de maintenir ainsi et aussi l'attractivité du territoire, parce que 3 millions d'euros ont été débloqués pour les TPE, les PME, et on a ouvert 400 boutiques en ligne pour 9000 produits, ce qui n'était pas rien, pour pouvoir effectivement acquérir une certaine fluidité dans l'approvisionnement des personnes qui étaient handicapées par le Covid. Le Grand Nassy a obtenu le label incubateur d'excellence, ce qui a amené une véritable dynamique pour la création d'entreprises en hausse et a relancé le tourisme. Alors, je ne parlerai pas de la place Stanislas, premier monument patrimonial de France, mais je m'attarderai non plus guère sur les mobilités, car tout est en mouvement en ce moment. Donc, si je disais certaines choses, je ne suis pas sûr que demain ce serait encore vrai, mais on parle de la gratuité pendant les week-ends, ça se met en place. Les parkings, la relance de la pratique du vélo, et disons que, d'ailleurs, le 15-11, on a une commission mobilité qui va accueillir Laurence Vizère, hein, qui vient parler, je suppose, notamment des mobilités, mais un petit peu du vélo concernant son dada. Cela montre le fort engagement des agents aussi à travers ce qui s'est passé de la métro. Au cœur de la crise, sur la veille sanitaire, continuer au mieux l'activité, ce fut le maître mot, et renforcer l'égalité professionnelle, ce qui n'a pas été sans mal, et a nécessité un suivi des finances fragilisées par la baisse des recettes. 1343 agents en service au quotidien sur un certain nombre d'éléments, notamment de notre voirie, de l'eau, du chauffage urbain, du tri et de la gestion durable du patrimoine, sur lequel je n'irai pas au-delà, puisque mon collègue Stéphane Klopp présentera certainement ça d'une façon plus détaillée que moi. Les territoires ont été l'objet, au niveau de l'habitat, d'un rôle renforcé. Vitalité des logements sociaux et amélioration de l'habitat privé, cet urbanisme métropolitain nécessite de plus en plus une vision durable et ambitieuse. De nouveaux grands projets, d'ailleurs, sont en cours d'aménagement. Bon, je ne vais pas les reprendre tous, vous les connaissez, il y en a deux essentiels qui ont été retenus. C'est la continuité des antériorités, notamment Nancy Thermal et Nancy Centre Gare. Voilà. Voilà rapidement résumé ces actions fondamentales de l'action de la métropole. Je ne me suis pas attardé sur tous les sujets, mais à la fin du document que vous pouvez vous procurer, si vous ne l'avez pas, vous avez, comme je le disais, un tableau synoptique de toutes les communes, et vous avez celle de Villers et Nancy. Si monsieur le maire me le permet, je lirai rapidement ce que contient cette fiche pour que tout le monde l'ait en tête. Alors, 995 hectares, ah ben tout est là, très bien. 14 876 habitants. Mobilité et voirie, bon, je ne vais pas répéter bêtement les chiffres, mais amélioration de la voirie, quelques 13 000 euros. L'entretien des chaussées, 1340 mètres carrés. Des trottoirs, 281 mètres carrés, ce qui fait 122 000 euros. L'éclairage public, coût de la maintenance, préventive et curative, 49 000 euros. L'eau et assainissement, j'irai pas très loin, parce qu'il y a eu 25 branchements neufs et 0,445 km de réseau renouvelé. Je pense que tu en reparleras peut-être un peu.
Et puis les espaces verts, 14 arbres remplacés, 193 élagués, 11,66 hectares d'espaces verts entretenus, déchets, 19,84 tonnes de compost, 2 conteneurs semi-enterrés installés, on progresse. Proximité, 796 demandes d'intervention traitées par le Grand Nancy par le biais des référents de territoire, ce qui n'est pas rien, parce que nous sommes en période Covid seulement. Et environ 22 CEE, c'est des certificats d'économie d'énergie, avec 28 317 euros de délivrés. L'habitat, 2000 euros d'éco-prime et des sites de compostage partagés, 5 sites installés. Là, j'ai mordu un peu sur le territoire de mon collègue Stéphane, et je m'en excuse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Je ne pourrais que répondre parcellairement. Peut-être le complément par Stéphane Klopp et puis oui. Un débat global. Oui, ce serait mieux. Très bien. Oui. Alors, nous allons passer au rapport de développement durable avec des principes éditoriaux qui ont été édictés par la métropole. Prévu dans le cadre général des collectivités territoriales, le rapport de développement durable est obligatoire pour toutes les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Il met le reflet des actions, des expérimentations et des services vertueux mis en œuvre au cours de l'année. Il décrit notamment les actions engagées par la métropole pour répondre à la crise sanitaire. Il rend compte également d'actions de développement durable menées à la fois sur ce mandat et sur le précédent. Dans un souci d'exemplarité, le rapport s'inscrit pour la première fois dans une démarche d'éco-responsabilité éditoriale, optimisation des choix graphiques, papier recyclé, nombre de tirages adaptés. Cette édition 2020 marque une transition vers le prochain rapport de développement durable 2021 qui sera présenté aux élus en février à l'occasion de la présentation du débat d'orientation budgétaire de 2022. Donc, plusieurs axes sont envisagés. Donc, le premier, c'est la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'atmosphère. Donc, dans cette lutte contre le changement climatique, il y a déjà la production et l'économie d'énergie. Les réseaux de chaleur sont valorisés sur la métropole. De nouveaux bâtiments sont sans arrêt connectés, comme l'IUT du Montet, le centre commercial Padoue, situé à Artem, le foyer Robert Chevardet, l'établissement AgroParisTech, le collège Saint-Dominique, l'ensemble scolaire Charles de Foucault, les écoles des Tiercelins et Jules Ferry. Des travaux aussi sur la station d'épuration de Maxéville pour produire du biogaz à partir des boues issues des traitements des eaux usées. Des bâtiments de la métropole font de gros efforts, comme le muséum aquarium, qui a passé la plupart de ses éclairages, notamment pour les aquariums, en spot à LED, et des travaux d'isolation, de raccordement, là aussi au chauffage urbain, qui ont été déjà prévus, et par la suite des panneaux solaires photovoltaïques qui vont être installés sur le bâtiment. Il faut également favoriser les nouvelles mobilités. Donc, ça a été fait par une gratuité des transports le week-end, en espérant pouvoir déplacer davantage de monde par les transports en commun et moins par la voiture. Par le lancement du plan métropolitain des mobilités, son objectif est de proposer un plan de développement ambitieux de toutes les mobilités, du transport en commun à la piétonnisation en passant par le vélo et le stationnement, pour favoriser notamment les reports vers les modes de déplacement doux. De nouvelles pistes cyclables ont également été faites. Donc, il a été profité de la crise du Covid pour tenter ce qu'on avait appelé des coronapistes à l'époque. Donc, certaines ont été abandonnées, d'autres ont été maintenues. Et face au nombre croissant de cyclistes sur le territoire, donc certaines ont pu être rendues définitives, comme celle du boulevard Quatennens par exemple. Ces aménagements ont permis de supprimer des discontinuités cyclables afin de créer un réseau d'itinéraires attractif. Pour l'amélioration de la qualité de l'air, l'étude appelée CASPER a été financée par l'ADEME et pilotée par le Grand Nancy en partenariat avec Atmo Grand Est, l'ALEC et l'Université de Lorraine. Il y a eu des participants de cette étude qui ont été équipés de microcapteurs qui mesurent la qualité de l'air dans toutes les situations de leur vie quotidienne. Donc, ceci est un outil de sensibilisation et CASPER aide les habitants à être mieux informés sur la qualité de l'air et à adopter des bons comportements pour la préserver.
La mise en place également de la circulation différenciée qui prévoit de limiter la circulation des véhicules les plus polluants lors des pics de pollution prolongés afin de préserver la santé des plus fragiles. Le deuxième axe est la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. Un lancement au niveau de la métropole de l'Atlas de la biodiversité métropolitaine, c'est-à-dire un inventaire de la faune et de la flore du territoire. Donc on recense les études qui ont déjà été faites sur le territoire, donc notamment avec l'appui des communes qui avaient déjà lancé certaines études. Et donc de nouvelles études qui seront lancées par la métropole sur on va dire les trous de la raquette qui ont été identifiés par les communes, c'est-à-dire les zones qui n'ont pas du tout été diagnostiquées, si vous voulez, pour la présence de la faune et de la flore. Donc sur cet atlas, il y a la participation notamment du Jardin botanique, du Muséum Aquarium, de nombreuses associations dont Floraine et Flore 54 qui ont l'habitude de travailler avec la commune de Villers-les-Nancy, et des prestataires comme Néomis, qui est le mandataire, qui travaille avec le CPPESC, association notamment concernée par les chiroptères, le groupe Senose pour les inventaires, qui a déjà participé à la mise en place du plan de gestion de l'espace naturel sensible du plateau de Villers, le CPIE et l'atelier vert. Donc justement, sur le plan de gestion de l'espace naturel sensible des pelouses de Villers, donc, les études ont été lancées, nous aurons très prochainement, au mois de décembre, le COPIL élargi avec l'ensemble des associations qui ont participé, y compris des associations sportives, puisqu'il était question du parcours de santé. Et donc, ce sera le rendu de toutes ces études qui ont été faites et qui pourra déterminer le plan de gestion qui va être établi pour 12 ans. De nouvelles haies ont été plantées sur la métropole, 4,5 km sur l'année 2020. Et le Muséum Aquarium a décidé aussi de prioriser la faune locale dans ses aquariums, avec 3 aquariums entièrement dédiés à la faune locale du Grand Est. Donc pour préserver les milieux et les ressources, il faut également dépolluer et protéger les sols. Deux friches urbaines vont être dépolluées par des méthodes de dépollution avec des végétaux. Il s'agit du site Abralor à Nancy, situé presqu'île de la Méchelle, et le site des anciennes casernes Kléber, situé à Issey-les-Nancy. Pour préserver la ressource en eau, du côté des abonnés au service de l'eau, le déploiement du radio-relevé des compteurs encourage les habitants à davantage de sobriété, puisqu'ils pourront voir leur consommation plus régulièrement, notamment par Internet. Et le système permet également d'informer rapidement en cas de fuite ou de surconsommation d'eau. Et enfin, de nouveaux investissements pour le traitement des eaux usées. 2 digesteurs sont en cours de construction sur le site de la station d'épuration. Et en parallèle, les 2 anciens digesteurs seront transformés en ouvrages de stockage des affluents par temps de pluie. L'augmentation de la capacité de stockage de la station d'épuration réduira de 32% les volumes d'eau rejetés dans la Meurthe après traitement partiel, donc améliorant ainsi la qualité du cours d'eau. Enfin, 500 000 euros vont être débloqués pour la prévention des inondations dans le cadre d'un accord avec l'EPTB Meurthe et Madon, donc pour prendre des risques de crue sur la Meurthe en amont. Alors, l'axe suivant est la lutte contre le changement. Non, c'est pas celui-là. Pour l'emploi, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations. Alors, il s'agit également de contribuer à l'égalité des chances, notamment au service des plus jeunes, avec l'accueil de nombreux stagiaires et d'apprentis au niveau du Grand Nancy. Donc, 147 stagiaires au cours de l'année scolaire 2019-2020 ont été accueillis et 61 apprentis. Donc, la crise du Covid a permis également de développer les solidarités. Donc un plan d'action de 600 000 euros financé à moitié par l'État, à moitié par la métropole, dans le cadre d'une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi. Et ça a permis donc de créer des heures de travail au profit de gens éloignés de l'emploi,
35% des bénéficiaires résidant en quartier de la politique de la ville et 93% qui sont sortis du dispositif en emploi pérenne, dont 38% en CDI. La mobilisation du fonds d'aide aux jeunes. 771 jeunes ont bénéficié de ce fonds d'aide pour des jeunes qui étaient en situation de précarité financière. Des aides également pour les étudiants. La métropole a donné des subventions exceptionnelles donc, dans le cadre de l'enseignement supérieur et également coordonné une aide alimentaire destinée aux étudiants. Une solidarité pour le peuple libanais avec 20 000 euros accordés par la métropole. Voilà pour la solidarité. Le point suivant est l'épanouissement de chacun dans un cadre de vie satisfaisant. Avec la création d'un atlas santé-bien-être, le Grand Nancy a développé avec l'appui de l'agence Calen un atlas précurseur de l'Observatoire de la santé et du bien-être. Ce document pose les bases d'un observatoire métropolitain permettant de suivre en continu et dans la durée l'état de santé et les inégalités de santé des populations pour orienter et ajuster au fil du temps les politiques publiques de santé. Dans le cadre de la pandémie, le Grand Nancy a mis en place une équipe métropolitaine d'action et de prévention en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire. La métropole, pendant cette crise sanitaire, a fait don de matériel de protection pour un total de 5 000 euros. En parallèle, un appel aux dons a été lancé. Et soucieux de protéger la santé des Grands Nanciens lors du déconfinement, le Grand Nancy et les communes volontaires ont passé une commande de masques en tissu fabriqués par les entreprises françaises de proximité et employant des personnes handicapées. Pour favoriser l'accès à la culture pour les plus jeunes, il a été décidé une gratuité d'accès pour les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants à compter du 1er décembre 2020 pour le musée aquarium, les serres du jardin botanique, le musée de l'histoire du fer et le château de Montaigu. Toujours pour le cadre de vie, la métropole mentionne l'écoquartier Bianca Maria, qui concerne donc la commune de Vendeuvre. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Alors, le point suivant est la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Donc, il a été choisi d'améliorer l'offre des acteurs économiques en créant des économies circulaires, c'est-à-dire en faisant prendre à conscience à chaque entreprise que ses déchets peuvent être la matière première d'autres entreprises et donc ainsi mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Enfin, encourager une consommation responsable. Donc avec notamment l'accompagnement toujours des Repair Café, de la Trucothèque qui se consacre aux besoins des étudiants. Voilà, des choses pour que les meubles, les objets de décoration des étudiants à chaque sortie d'année scolaire puissent être, au lieu d'être jetés ou mis sur le trottoir, être réutilisés par les prochains étudiants qui arriveront sur la métropole du Grand Nancy. La métropole encourage également l'usage des couches lavables. Chacun verra s'il est intéressé par le sujet. Une application mobile pour le suivi de l'arrosage. Et chose un peu plus importante, les emballages plastiques, surtout qui maintenant se trient. Hein, donc le message, c'est vraiment tous les emballages, carton, plastique, se mettent dans le bac jaune. Et ça, je pense que c'est quand même une grande avancée parce qu'on voit que les volumes entre recyclables et ordures ménagères commencent vraiment à s'équilibrer. Et enfin, la création de l'association des hommes et des arbres. C'est bon. Est-ce qu'on fait peut-être un stop là pour peut-être avoir un échange sur le développement durable et puis après on fait les déchets et l'eau? Y a-t-il des commentaires sur ce sujet? S'il n'y en a pas, mon commentaire n'est pas sur le fond. Il est que ces rapports ont toujours un petit côté ingrat ou auto-justificatif. Pour autant, je pense que
Ce qui est égrené, et la façon d'ailleurs dont le rapport est abordé cette année, par nos rapporteurs et par le support visuel, montre bien au quotidien les efforts qui sont faits et les réalisations dont nous devons tous collectivement être fiers, et peu importe en l'occurrence comment et où et quelle est la structure qui le rend. Je pense que c'est vraiment un travail de la collectivité au sens large et avec une majuscule qui mérite d'être salué. On passe à l'eau et l'assainissement. Monsieur Klopp. Alors, nous allons commencer par les événements marquants de l'année 2020, donc avec bien sûr le premier confinement au mois de mars, et l'activation du plan de continuité d'activité d'eau et d'assainissement, et l'application des gestes barrières. Donc il a fallu équiper tous les lieux publics de possibilités pour chacun de se laver les mains, bien entendu, et puis surtout, donc les services ont toujours été sur le pont pour continuer à gérer le réseau et la distribution de l'eau potable à l'ensemble des habitants. De juin à août 2020, des travaux sur un collecteur au niveau du boulevard Lobo. Au mois de juillet, l'élection de Mathieu Klein en tant que président de la métropole et la désignation de Delphine Michel en tant que vice-présidente de Eau et Forêt. Le 3 août 2020, le démarrage des travaux de refonte de la digestion des boues et valorisation du biogaz de la station d'épuration de Maxiville, dont j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Le 5 novembre 2020, la mise en service de la nouvelle bâche de maturation de l'usine Édouard Rimbaud à Vendeuvre, pour avoir davantage de stock d'eau en cas de pénurie. Le 12 novembre 2020, la décision du Conseil métropolitain d'exonérer de facture d'eau les TPE-PME dans le cadre de la crise sanitaire, donc pour des entreprises éligibles au fonds de solidarité. Et ainsi, il y a 880 mètres cubes qui ont été exonérés pour les entreprises en difficulté. Donc globalement, on voit que la consommation d'eau potable continue à diminuer. Il y a encore une baisse entre 2019 et 2020 de 2,87% au total, avec des inégalités en fonction des consommateurs. Alors plus 0,42% de consommation pour les particuliers, par contre 11,97% en moins pour les entreprises, moins 20% pour les collectivités et moins 4,76% pour les agriculteurs. Donc l'ensemble conduit quand même à une diminution globale de la consommation. Ensuite, le rendement du réseau d'eau potable, entre donc la différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé, donc est 85%, donc ça veut dire 15% de pertes, alors qu'on est à peu près à 20% au niveau national. Et ce rendement de 80% est un bon résultat. Donc dans les pertes, on compte des pertes physiques avec environ 180 fuites d'eau par an, des pertes de comptage avec des problèmes sur certains compteurs et des pertes de clientèle avec certaines fraudes. Alors la diapo suivante, c'est les bilans sur les volumes. Donc je vais passer parce qu'on a déjà parlé des pourcentages. On va parler maintenant de la qualité de l'eau distribuée. Alors 1833 prélèvements et plus de 30 000 paramètres ont été analysés dans le cadre du contrôle sanitaire et de l'autocontrôle. Alors le taux de conformité des prélèvements est de 100% pour les paramètres microbiologiques en sortie d'usine en distribution, pour les paramètres physico-chimiques 100% en sortie d'usine et 99,4% en distribution. Alors ces 0,6% correspondent à 4 prélèvements non conformes pour le trihalométhane sur le réseau de distribution, sans risque pour la santé humaine. Donc c'est dû au temps de séjour de l'eau dans les réseaux et au taux de chlore. Donc la métropole cherche à améliorer ces deux facteurs, donc en laissant de moins en moins d'eau stagner, on va dire, et en réduisant les taux de chlore autant que possible. Donc la conclusion 2020 de l'Agence régionale de santé est que l'eau distribuée en 2020 est de bonne qualité microbiologique et physico-chimique. Pour ce qui est des travaux, donc un renouvellement de 4 km de conduite pour un coût de 2,4 millions d'euros hors taxes,
remplacement de 18 branchements en plomb, parce qu'il en reste encore sur la métropole. Des projets aussi, avec la création d'une prise d'eau dans la rivière Meurthe, cette fois-ci. Donc, des études sont en cours, avec un démarrage des travaux prévu en 2022. Un déploiement aussi du radio-relevé des compteurs d'eau entre 2020 et 2023. Donc le but, se rendre compte rapidement des fuites pour le particulier et une facturation au réel. Il y a un renouvellement des réseaux structurants, refoulement de Bellevue entre 2021 et 2022 et des réservoirs de Bourgard. Au niveau de l'assainissement et du traitement des eaux usées, donc la station de traitement des eaux usées de Maxéville a traité un volume en 2020 de 27,9 MM3, moins 0,8% contre 2019, une moyenne de 76 488 m3 par jour, un traitement performant et un rejet conforme. Pour le traitement des boues 2020, donc 4151 tonnes de matières sèches ont été évacuées, moins 10,4% par rapport à 2019. Donc les boues sont dans un meilleur sanitaire, un meilleur état sanitaire. Enfin, oui, il y a une hygiénisation des boues dans le cadre de la crise sanitaire, hein, puisqu'on sait qu'on retrouvait du Covid dans certains rejets, et une valorisation de l'épandage agricole à 54% et du compostage à 46%. Alors, pour les travaux d'assainissement, 215 mètres de canalisation d'eau pluviale ont été renouvelés pour 102 000 euros. Un renouvellement de 2,5 km de canalisation d'eau usée pour un montant d'1 million d'euros hors taxes. Une refonte de la filière existante de digestion des boues et de valorisation du biogaz de digestion par injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel. Vous en avez parlé également. Et des projets qui ne concernent pas Villers, mais très rapidement. Donc un schéma directeur d'assainissement, une réhabilitation du collecteur rue du préfet Erignac jusqu'à la place Stanislas à Nancy, une élimination des eaux claires du reclus à Vendeuvre. Donc le but, c'est de renvoyer les eaux claires vers le ruisseau de Nabécor au lieu de les renvoyer dans les eaux usées. Création du collecteur de liaison Ambany-Marcel Brault sous la Meurthe. Un schéma directeur, enfin des études hydrauliques sur le Grémillon et le Fontenot. Donc, le dernier point, ce sont les questions financières, avec un prix TTC moyen du mètre cube d'eau à 3,5751 euros TTC, qui est stable par rapport au prix de 2019. Et une répartition du prix de l'eau à 26% pour les redevances et taxes reversées aux organismes publics, 29% pour la dépollution des eaux usées, 45% pour la production et la distribution de l'eau potable. L'abonnement du compteur de 20 mm et de 44,69 euros TTC par an. Soit un budget de fonctionnement pour l'eau de 29,48 millions d'euros de dépenses, 37,83 millions d'euros de recettes, un investissement de 7,11 millions d'euros en dépenses et 0,091 millions d'euros en recettes. Pour l'assainissement, le fonctionnement est de 21,13 millions d'euros de dépenses, 25,18 millions d'euros de recettes, l'investissement de 5,68 millions d'euros de dépenses et 0,04 millions d'euros de recettes. Merci. On fait peut-être la partie déchets et puis on groupera les deux débats. Alors, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets pour l'année 2020. Là aussi, des événements marquants. La poursuite de la progression des comportements vertueux des grands Nancéens en matière de prévention et de recyclage. Une évolution importante des tonnages des différents flux. Donc, le tonnage d'ordures ménagères a baissé de 3,5%. Le tonnage des emballages a augmenté de plus 13%. Le tonnage en déchetterie de plus 0,75%. Et le tonnage total de déchets collectés a diminué de 2,2%. L'adaptation du service à la crise sanitaire a obligé à la réduction des fréquences de collecte des ordures ménagères dès le 23 mars dans les communes hors Nancy. Il y a une fermeture des déchetteries lors du premier confinement, sauf celle de Nancy qui est réservée uniquement aux professionnels.
Donc les événements marquants, donc démarrage des 8 nouveaux marchés de gestion des déchets au 1er avril 2020 pour une durée de 7 ans. Alors pour la précollecte et la collecte de déchets, les prestataires retenus sont groupement RIMA et Onyx-Est. Pour le tri, c'est PAPREC. Pour l'exploitation et la rotation des bennes de déchetterie, c'est Nicolin. Le traitement des déchets de déchetterie, c'est l'entreprise Veolia, qui a également le traitement des déchets verts. La reprise de la ferraille issue des déchetteries, c'est GDE Ecor. La reprise du papier se fait par une entreprise vosgienne, Norskog, dont le nom ne précise pas qu'elle est vosgienne. Reprise des cartons des professionnels par Citraval. La mise en place des extensions de consignes de tri à tous les emballages plastiques a donc commencé au 1er novembre 2020. Suite à la réduction des fréquences de collecte des ordures ménagères recyclables, la mise en place des ECT prévue initialement au 1er avril 2021 a été avancée au 1er novembre 2020. L'objectif a été de faciliter le geste de tri, d'avoir une consigne simple, tous les emballages se trient, et avoir une réduction du volume d'ordures ménagères. Le projet d'information incitative, son objectif est de mettre en place une information à destination des habitants, leur permettant d'avoir une idée de leur production de déchets. Un puissage des bacs a été réalisé en 2019-2020 pour identifier le volume ou le poids, d'ailleurs je ne sais pas, sur les bacs. Ça a été posé sur l'ensemble des communes du Grand Nancy, avec le soutien financier de Citeo à hauteur de 160 000 euros. Alors on revient sur la promotion des couches lavables. Également la rénovation de la déchetterie de Ludres. Les études se sont déroulées sur 2019 et 2020, avec un lancement de l'appel d'offres pour les travaux en novembre 2020 et un démarrage des travaux à l'été 2021. La poursuite de la sécurisation des points noirs de collecte, donc un travail engagé depuis plusieurs années en collaboration avec les communes. 81 points noirs ont été supprimés en 2020 et l'objectif à terme est de supprimer l'ensemble. Il en resterait environ 300 sur la métropole. L'intégration temporaire de la communauté de communes du bassin de Pompée au dispositif d'accès en déchetterie. Alors une intégration temporaire parce qu'il s'agit de travaux sur la déchetterie de Dieulouard. Et donc pendant la durée des travaux, prévue pour 7 mois, donc du 1er septembre 2020 au 7 juin 2021, donc qui a débordé les 7 mois, c'est pour ça qu'on parlait de durée initiale. Donc rendre service aux habitants de la communauté de communes en leur fournissant un accès à la déchetterie, une déchetterie de la métropole. Sur le volet de la prévention, donc le compostage progresse avec 497 composteurs individuels vendus, 91 lombricomposteurs vendus pour les appartements, 33 nouveaux sites de compostage partagés installés et 253 tonnes de compost restituées aux habitants. Le développement des repair cafés, avec 13 repair cafés actifs. La poursuite des actions, donc de lutte contre le gaspillage alimentaire, de partenariat en partenariat avec Emmaüs, autocollant stop pub, récupération des textiles. Une poursuite de l'implantation des containers enterrés, semi-enterrés ou de surface, avec 30 containers supplémentaires installés en 2020. Développement des smart lines, bornes de surface pour les ordures ménagères. 41 ont été mises en place en 2020. Pour ce qui est des déchetteries, quelques chiffres. Donc pour les accès, alors plus de 90 000 cartes en circulation, 279 800 entrées sur 2020, soit au moins 24,4%, sachant que les déchetteries ont été fermées une partie de l'année à cause des confinements. Et trois déchetteries comptabilisent 60% des entrées, Vendeuvre, Nancy et Essay. Alors l'impact de la crise sanitaire, donc la fermeture des déchetteries du 18 mars au 23 avril et une réouverture avec limitation d'accès jusque mi-juin. Au niveau des tonnages, 41 871 tonnes collectées, plus 0,75% par rapport à 2009 et un recyclage pour 65% du tonnage. Bon, donc un peu moins de bois, plus de ferraille, on va passer les détails. Alors à noter quand même que les ordures ménagères, moins 3,46%, les emballages, plus 13%, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verre, un peu moins 1,49%,
Le papier, moins 18,79. Alors, j'en profite pour dire quand même qu'on a des entreprises de la région qui ont besoin de papier recyclé pour tourner et qui sont obligées de l'importer de l'étranger. Donc, si vous avez des papiers à déposer, n'hésitez pas à les mettre dans les bacs prévus à cet effet. Et enfin, donc, la communication, dont le but est de sensibiliser les habitants à la prévention et aux gestes de tri, grâce à la Maison de l'Habitat et du Développement Durable, donc, qui se trouve à côté du siège de la métropole, avec un accès par le viaduc Kennedy, aux 6 ambassadeurs de la prévention et du tri qui assurent une communication de terrain, avec 958 personnes sensibilisées en porte-à-porte, 13 animations scolaires, 314 élèves sensibilisés, 159 élèves sensibilisés dans les collèges et lycées. Aux maîtres composteurs, avec eux aussi des animations scolaires et des participations aux différentes manifestations, dont la fête de la nature à Villers. La crise sanitaire a eu de fortes répercussions sur les actions des agents en contact avec le public. Au niveau financier, un investissement en dépenses de 2,2 millions d'euros, en fonctionnement des dépenses de 28,3 millions d'euros, en baisse de 0,8% par rapport à 2019, et des recettes de 33 millions d'euros, en baisse de 10% par rapport à 2019. Alors les déchets, c'est 452 kg par habitant et par an, hors gravat, et un coût de 89,38 euros hors taxes par habitant. Alors la taxe d'ordures ménagères a continué à baisser, elle a baissé de 6,71% entre 2019 et 2020, enfin, elle est passée de 7,46 à 6,71, pardon. Pas rentrer dans le détail du reste. Voilà, alors pour les recettes de fonctionnement, parce que ça c'est quand même intéressant, donc on voit que la taxe d'ordures ménagères c'est 81,2% du total des recettes de fonctionnement, la redevance spéciale ce qui est payée par les entreprises c'est 6,2%, les accès en déchetterie 1,5%, ça c'est ce qui est payant pour les professionnels, les éco-organismes financent à hauteur de 6,4%, la revente de matériaux récupérés participe à 2,8% aux recettes de fonctionnement et les recettes d'incinération 1,7%. Merci. Des remarques, des commentaires sur ces deux rapports? Écoutez, merci. Je sais que ça se prête peu au débat, hein. Il faut bien le savoir, mais je crois qu'encore une fois, je le redis comme pour le rapport précédent, c'est quand même important qu'on l'ait bien en tête. Merci. Il n'y a pas de vote sur ces rapports. On a pris de l'avance sur le nombre de votes, donc on peut en économiser quelques-uns. Le sujet suivant, en revanche, appelle un vote dont je vous demanderai d'accepter qu'il ne soit pas bulletin secret puisqu'il s'agit d'un vote nominatif. Quelqu'un le demanderait. Merci. Notre collègue Christine Fléchon-Paglia a proposé son remplacement au sein de la commission Affaires sociales, santé, jeunesse de la métropole et nous vous proposons de la remplacer par notre collègue Maryse Guéry, récemment investie au sein du CCAS et par conséquent particulièrement indiquée. On en profite pour féliciter Christine qui a été reconduite dans sa mission importante au sein de l'UDCCAS. Y a-t-il qui est contre, qui s'abstient? Merci. Le rapport suivant est au rapport de Stéphane Klopp. Il s'agit d'une convention pour les travaux de désimperméabilisation de la toiture de la résidence autonomie Paul-Adam. L'eau est un enjeu majeur pour les écosystèmes et les êtres humains. Le plus souvent, les eaux pluviales ont été collectées, transportées et rejetées en dehors du lieu de précipitation. Cela engendre des risques d'inondation et de pollution du milieu naturel en cas de rejet dans les réseaux d'assainissement et limite la recharge naturelle des sols.
Gérer les eaux pluviales urbaines à la parcelle en favorisant leur infiltration dans les sols par des solutions de surface végétalisées apporte d'autres bénéfices tels que le confort thermique ou l'insertion de la nature en ville et contribue à rendre la ville plus résiliente face aux changements climatiques. La métropole du Grand Nancy met en place des mesures visant à réduire les rejets d'eau pluviale dans les réseaux d'assainissement, à gérer durablement et de manière intégrée des eaux de ruissellement et accompagne financièrement les collectivités dans leurs initiatives de désimperméabilisation. Dans le cadre des travaux de modernisation de la résidence autonomie Paul Adam, la ville de Villers-les-Nancy a fait le choix de végétaliser les 587 mètres carrés de la toiture terrasse du bâtiment. À ce titre, la commune bénéficiait d'un accompagnement financier de la métropole. Il convient de régulariser cette demande de subvention par convention. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'aide aux travaux de désimperméabilisation ainsi que tous les documents y afférents. Merci, c'est une démarche intéressante et dans laquelle Stéphane s'est personnellement investi pour obtenir ce résultat. Je ne dis pas de la métropole, mais je dis de la démarche à entreprendre qui n'était pas encore chez nous complètement spontanée et évidente. Voilà. Y a-t-il des remarques ? Oui, Cyril Perrault, pardon. Oui, juste, est-ce qu'on a une idée du montant de la subvention métropolitaine ou du pourcentage ? Est-ce que les services ont une info et peuvent me la passer ? On a un montant maximum. Le Grand Nancy s'engage à verser un montant d'aide maximum de 5 870 euros TTC, sauf si le cumul d'aide dépasse 80% du coût des travaux de déconnexion ou de désimperméabilisation. Voilà. Et on n'a pas le montant normal. 10 euros par mètre carré, me dit-on à l'instant. Après, quelle est la surface exacte ? 500, hein, c'est ça, voilà. Ouais. Bon, c'est pas mal. Ouais, voilà, oui. En tout cas, l'adjointe aux finances a l'air satisfaite. Ok, d'autres remarques ? Je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour la toiture. Ah oui, en plus, je l'avais dans mon dossier. Je présente mes excuses à la directrice générale des services. Approbation d'alors sujet collectif et consistant, la convention territoriale globale de services aux familles entre la ville de Villers et la CAF. La parole est à Olivier Hérault. Merci monsieur le maire, je vous propose pour illustrer cette délibération un diaporama donc qui est projeté. Donc dans ce diaporama, nous aborderons le diagnostic partagé, la méthode que nous avons menée depuis 6 mois pour mener à bien ce projet. Et puis, nous aborderons également les axes de développement de ce projet. Alors, comment il est né ? Si on passe à la diapo suivante. Donc, si vous vous souvenez, la convention territoriale globale, c'est un périmètre d'intervention plus large que notre contrat enfance-jeunesse, hein, que nous remplaçons par cette nouvelle disposition que l'État, au travers de son acteur, la Caisse de l'allocation familiale, nous propose. C'est un projet social de territoire, au-delà de la petite enfance et de l'enfance, avec la jeunesse également, et on l'élargit à la parentalité, l'insertion, et jusqu'au logement et au cadre de vie. Et c'est pour ça que, finalement, fondamentalement, ce projet englobe tous les services, tous les acteurs, tous les élus de notre commune. Et c'est pour ça aussi que nous aurons l'occasion de le présenter à plusieurs. Donc c'est effectivement une très très belle démarche politique dans un cadre partenarial qui nous permet de développer de nouveaux conventionnements que vous découvrirez pour ceux qui n'étaient pas dans les commissions. Enfin, c'est une réforme des financements, et là aussi c'est important pour la commune d'avoir cette aide substantielle, hein, puisque si on le rappelle, la Caisse de l'allocation familiale est notre premier partenaire dans le fonctionnement de nos activités. Donc c'est un lissage financier qui apparaîtra par nature d'activité et par gestionnaire. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc pour nous, c'est une réforme majeure.
Et c'est aussi simplement la transformation du contrat enfant-jeunesse vers une convention territoriale globale. Et à cette occasion, je remercie vivement tous les acteurs de ce dossier. On a fait en 6 mois, vous allez voir un peu tout ce qui est présenté par la suite, on a fait en 6 mois ce que d'autres communes font en 1 an et demi. Pourquoi on a réussi cet exploit ? Tout simplement parce qu'on est en permanence en diagnostic de nos activités. Et finalement, toutes ces informations-là, on les avait déjà. On les a affinées avec le travail que l'on a fourni. Sur la diapo suivante, donc là, on retrouve les 3 quartiers. Là, ce que je vous propose, c'est de revoir toutes les informations qui figurent dans l'annexe de la convention et qui présentent le diagnostic par quartier. Alors, la méthode, je propose à Pascal Thilly de nous la présenter. Merci, Olivier, de me donner la parole. Voilà. Vous m'excuserez si je tousse, mais je suis un petit peu trachéite, mais voilà. Donc, la méthode de travail de ce projet a suivi un planning effectué effectivement sur un temps court, puisque ça a débuté en mars 2021 et nous voilà en novembre, donc 6 mois, comme a dit Olivier. Mais fort aussi, relativement court, mais fort de la bonne connaissance du territoire de Villers et grâce à des diagnostics précédents et donc avec des données statistiques, tant géographiques que démographiques, et croisées bien sûr avec les données que l'on avait par la Caisse d'allocation familiale. Donc il y a eu rencontre et consultation des différents acteurs du territoire, donc en ce qui concerne la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, mais tout ce qui est aussi santé, solidarité, sociale, associations culturelles et associations sportives aussi. Donc avec un travail de transversal entre ces différents acteurs, et ça a permis d'élaborer un diagnostic partagé. Et ce diagnostic a mis en évidence les faiblesses, les forces aussi, les potentialités et les axes de recherche, de progrès et d'amélioration d'une façon générale, voilà. Alors, de cette démarche découlent bien sûr les objectifs, les orientations et ces déclinaisons d'actions pour le bien-être de toutes les familles villaroises. Et le dernier temps de la méthode de ce projet, c'est bien sûr l'évaluation. Donc, l'évaluation du projet au fil des années afin d'adapter les interventions de la collectivité et de la Caisse d'allocation familiale pour évaluer les besoins prioritaires et spécifiques des familles. Voilà en ce qui concerne la méthode de ce projet. Merci Pascal. Quelques chiffres pour illustrer donc ce diagnostic. Donc, comme on l'a vu dans le rapport précédent, 14 876 habitants au 1er janvier. C'est une population stable qui est marquée par une population jeune, 14% d'enfants au 31 décembre de l'année dernière, sur 6 tranches d'âge. Et 21% de 15-29 ans. Donc, c'est assez important de le signaler. On a 3 quartiers distincts dans ces besoins. Donc, ça aussi, c'est peut-être pas une surprise pour chacun d'entre nous, mais en tous les cas, ça ressort bien. Et le vieillissement est plus marqué dans les zones pavillonnaires des années 60 et 70, comme dans le quartier de Calarieux, d'où une forte proportion de personnes âgées de plus de 70 ans. Mais on se dessine un renouvellement finalement générationnel des habitants d'ici les 15 prochaines années, avec en toute linéarité, donc il n'y aura pas de pic de renouvellement, donc tout va bien pour la gestion de nos bâtiments et de nos écoles. Une commune qui est fortement attractive pour les familles, notamment on l'a vu avec les ouvertures de classes depuis ces 5 dernières années. C'est aussi marqué par un tissu associatif très fort et actif, et enfin une part de familles monoparentales qui augmente dans la population, mais qui reste malgré tout stable dans l'ensemble des typologies de familles. Enfin, une offre petite enfance et enfance qui est très riche et qui est à maintenir, et une faiblesse de l'offre adolescente, on aura l'occasion d'en parler avec Didier. Alors, ce qui change entre le contrat enfant-jeunesse et la convention territoriale globale, donc c'est un maintien au niveau des financements, ce qu'on peut retenir, et Valérie est très, très, très sensible à ça, un maintien des financements au niveau des fonctionnements des équipements existants, comme pour nos établissements d'accueil de jeunes enfants, le relais assistant maternel qui aura l'occasion de changer de nom dans quelques semaines, la ludothèque, la coordination périscolaire, des bonus territoires qui seront mis en place,
Et puis, également, ce qu'il faut retenir, c'est que le versement de ces bonus se fera directement aux gestionnaires. Ça, ça change par rapport au CEJ précédent. Avant, c'était la commune qui recevait ces prestations. Demain, ce sera l'opérateur qui recevra directement ces prestations. Enfin, les bonus territoires financeront des projets et non plus des postes. Donc ça aussi, c'est un changement dans le financement. Dans la phase 2, donc, des axes de développement, sur la petite enfance, ce qu'il faut tenir, c'est qu'on a déjà une offre de services qui est très, très forte, très dynamique. Donc tout l'enjeu pour nous, au travers de cette convention territoriale, ce sera de la maintenir, bien évidemment, et puis d'étudier la possibilité de développer des places supplémentaires dans le cadre d'accueil en crèche. Sur la partie enfance, eh bien, c'est de conventionner avec les associations via des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, ce qu'on avait fait déjà dans les années précédentes, mais là, on sera bien dans ce cadre-là. L'exemple qu'on peut donner, c'est la convention avec l'association du loisir, là aussi, qui nous a permis d'offrir de nouveaux accueils pour les enfants différents. Donc ça, c'est important, dans le cadre du plan mercredi, d'avoir cette vision-là. On s'appuie également sur le plan pauvreté national, et donc d'avoir aussi, comme le Pascal l'évoquait dans le rapport métropolitain, de ne pas oublier une certaine catégorie de personnes qui seront un peu dans le besoin financier, donc d'avoir aussi un œil bienveillant et puis des actions vers eux. Et puis toujours avoir ce schéma enfance-famille qui est très important à nos yeux. Sur la partie jeunesse, Didier, je te laisse le... Effectivement, donc, la mise en œuvre de cette convention territoriale globale nous a permis d'établir des diagnostics suivant nos délégations. Et je tiens aussi à souligner le travail exemplaire qui a été fait dans un temps record par les services, bien sûr en concertation avec les acteurs associatifs. Donc, mon intervention se fait bien sûr sous le couvert pour la partie sportive de Bertrand Folz et de Pascal Thy pour la partie jeunesse. Comme on l'a dit précédemment, donc, ce diagnostic nous a permis d'établir des forces, des opportunités, des faiblesses et aussi des pistes de réflexion. Alors, en quelques mots sur la jeunesse, nos forces, vous les connaissez, c'est la richesse de notre tissu associatif, sport jeunesse, le travail exemplaire qui est fait par nos associations au quotidien, et puis l'existence de nombreuses résidences universitaires sur notre territoire, des opportunités avec la mise en place de l'espace de vie sociale qui va se faire sur Clairlieu, qui est un quartier en plein renouveau, avec des familles, avec des enfants qui arrivent. Nos faiblesses, il faut aussi, bien sûr, donner nos faiblesses. L'identification des services et des espaces dédiés à la jeunesse, manque d'identification. Le manque d'intérêt pour le bénévolat de la part des jeunes. La difficulté pour impliquer les parents dans le domaine de la jeunesse. Et puis aussi le manque de programmes de prévention santé globale en milieu scolaire et hors scolaire. Donc quelques pistes de réflexion qui sont pistes d'amélioration dans ce secteur. C'est bien sûr coordonner la politique jeunesse pour la rendre plus visible et plus accessible, développer la coordination jeunesse dans le cadre d'une concertation et d'une complémentarité interinstitutionnelle, en tenant compte, bien sûr, des diagnostics qui viennent d'être faits. C'est conventionner avec les associations, avec la mise en œuvre de conventions pluriannuelles, d'objectifs et de moyens. Bien sûr, c'est maintenir la force et la richesse de notre milieu associatif. C'est soutenir l'accompagnement des enfants et des jeunes, pour une continuité éducative, en lien, en concertation, en prolongement de ce que font les parents, qui est dirigé notamment sur la citoyenneté, l'engagement dans la vie sociale, ainsi que la promotion des valeurs de la République et du vivre ensemble. Et enfin, œuvrer pour développer le bénévolat de la part des jeunes. Sachez que ces pistes de réflexion sont déjà en cours, puisque la semaine dernière, nous avons, en préambule de République en tête, mis en place une conférence débat sur la responsabilité du bénévolat, le rôle et la responsabilité des membres d'un bureau. Et nous avons eu un succès certain, pour ne pas dire un certain succès, avec la présence de nombreux acteurs associatifs et notamment de nombreux jeunes qui veulent s'impliquer dans le bénévolat au sein de notre territoire. Merci Didier. Alors, sur l'axe parentalité, diapo suivante, l'illustration aussi, c'est au travers de ce qu'on a mené dans l'action avec l'UNICEF, c'est de monter autour du collège, notamment le collège Chepfer, des actions d'animation entre les parents et les adolescents. Mais c'est aussi, pour Maryse, d'autres actions que je te propose de nous présenter. Merci Olivier. Oui, alors avec la mise en place d'actions de soutien à la fonction parentale, qui est un
des axes importants du projet EVS qui s'inscrit dans une démarche commune, comme tu l'as rappelé dans le cadre évidemment du renouvellement de partenariat avec l'UNICEF, avec l'agrément Ville Amis des Enfants, et plus généralement dans ce cadre de la CTG, dispositif qui propose de considérer une approche globalisée des besoins sur un territoire donné afin de définir les réponses les plus appropriées. Ainsi, nous avons souhaité favoriser le lien familial et la relation parents-enfants, échanger des expériences de parents à travers des ateliers familiaux, des activités communes, convaincre que chacun possède un savoir-faire qu'il est utile de partager. Organiser l'heure du compte entre enseignants des écoles et bibliothèques de la MJC. Proposer aux familles un café des parents avec accueil enfant, un espace de parole, un lieu d'information, d'échange, de conseils sur les éventuelles problématiques d'ados, pour accompagner des projets de loisirs et aussi promouvoir l'espace de vie sociale, dont je reparlerai un peu plus longuement, comme un espace vecteur de culture. Merci Maryse. Sur l'axe accès aux droits, donc, c'est un projet qui est porté par notre collègue Patrick Febvre. On a eu l'occasion d'en débattre lors d'un conseil municipal précédent avec l'accueil d'un futur conseil numérique rattaché au service solidarité de la ville et qui interviendra bien sûr sur plusieurs sites. Donc effectivement, ça rentre aussi dans cet accompagnement des familles sur l'aide aux droits qui leur sont tout simplement prévus dans le cadre de la caisse d'allocation familiale. Et sur le logement et le cadre de vie, Marie, je te propose de reprendre la présentation. Merci. Alors, c'est dans le cadre toujours de la CTG que la création d'un espace de vie sociale est envisagée. L'EVS a vocation à renforcer les liens sociaux et les solidarités de voisinage en développant à partir d'initiatives locales des services et des activités à finalité sociale et éducative. Il participe à la politique d'animation citoyenne et solidaire d'un territoire. C'est pourquoi la ville de Villers-les-Nancy, la MJC Jean Savine et la CAF ont travaillé à la mise en place d'un EVS à Clairlieu. En effet, la volonté politique de la ville de Villers-les-Nancy est d'anticiper, d'accompagner la transition d'un quartier et de favoriser le renouvellement social et générationnel, permettre les solidarités sur le quartier afin de recréer des liens entre anciens et nouveaux habitants de Clairlieu. Le choix d'une mise en place d'un EVS à la MJC Jean Savine est tout indiqué puisque ce lieu est déjà équipé pour l'animation de la vie locale. Et ce lieu donc sera de proximité et que ce lieu s'adressera à tous. Aussi, le groupe de travail s'est attaché à étudier les diagnostics déjà existants et à rencontrer les acteurs de la vie locale, communaux, associatifs, institutionnels, ainsi que les habitants du quartier. Des diagnostics sont partagés. L'activité de la MJC Jean Savine est très riche et variée. On constate cependant que l'offre associative peut être améliorée vers le public adolescent. On note un manque de communication sur les actions proposées et peu de transversalité des publics, faute d'une personne supplémentaire qui serait le coordinateur des activités et qui pourrait en assurer le suivi. Pour affiner notre analyse, des enquêtes ont été organisées auprès des enseignants des écoles, auprès des habitants, 250 réponses. Toutes ces recherches nous ont conduit à définir des pistes à destination de tous les publics, avec des actions autour de la parentalité, j'en ai parlé plus haut, des actions ado-jeunesse, la création d'un réseau d'échange, un lieu ouvert à tous et la mise en place d'un point d'accueil numérique. Tout ce travail nous a permis de constater aussi l'enthousiasme des habitants prêts à s'impliquer dans ce projet, la volonté des administrateurs de la MJC de faire naître ce projet, l'adhésion d'élus qui accompagne la démarche aux nombreuses déclinaisons transversales. La nécessité aussi, outre les bénévoles, de compter sur une personne qui aura les compétences professionnelles pour mener à bien ce projet d'espace de vie sociale dans la durée et qui saura le faire évoluer. Merci Maryse. Enfin, le dernier volet de cette convention territoriale globale, c'est l'évaluation.
son évaluation. Donc, on propose donc de, ce sera une mise en œuvre sur 5 ans, donc 2021-2025, par la mobilisation des acteurs institutionnels, habitants, pour développer toutes ces actions. C'est l'adaptation des interventions de la collectivité pour réduire les écarts entre l'offre existante et les besoins. C'est un travail en transversalité sur des objectifs communs. Et enfin, un pilotage du projet par le suivi des résultats et l'évaluation des impacts sur chaque dispositif. Voilà, mes chers collègues, ce qu'on pouvait vous présenter sur la future convention territoriale globale. Si je reprends l'aspect plus délibération, ce nouveau cadre contractuel d'une durée de 5 ans renforce l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction de chaque habitant du territoire sur tous les champs d'intervention mobilisés par la Caisse d'allocation familiale, c'est-à-dire la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'animation de la vie sociale et le logement. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention territoriale globale et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer ainsi que les avenants ou tout autre document y afférent le cas échéant. Merci. Merci. Y a-t-il des demandes de parole? Valérie Bozertlec. Notre groupe, bien évidemment, va voter pour cette convention, puisque cette convention s'appuie sur un travail très conséquent de l'ensemble des personnes concernées par cette thématique de l'enfance et de la jeunesse. Nous tenons tout particulièrement à remercier les acteurs locaux, bénévoles, militants des associations et les institutionnels, et tout particulièrement aussi la directrice de la MJC Savine, qui s'est extrêmement investie dans la construction, dans la réflexion et l'élaboration de cet espace de vie sociale. Merci. D'autres remarques? Simplement, effectivement, saluer le travail accompli, le travail d'équipe et le sens de l'équipe, aussi bien d'ailleurs de l'équipe d'élus qui a pris la parole ce soir que de la part des associations et des services, que je tiens à remercier sur ce travail. Ce qu'on voit au-delà de ça, parce que l'intérêt d'une convention comme celle-là, c'est moins... ce qui finit en bas à droite comme mise en œuvre de moyens, que la façon justement de faire travailler et de faire avancer des projets qui sont transversaux, quelquefois un peu épars, et qu'il faut pouvoir mettre en cohérence, mettre en résonance, et puis essayer de d'aligner dans l'intérêt aussi du travail associatif en aval. Donc c'est vraiment un ensemble qui aujourd'hui aboutit à la signature de la convention, laquelle signature constitue un vrai et un grand départ. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé dessus. Merci encore. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, ça méritait une unanimité. Tout comme sans doute le jazz. Convention de partenariat avec l'association Loisirs et Culture. Nathalie Angèle, en absence de notre collègue Marie-Claude. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Oui, tout d'abord, excusez Marie-Claude qui n'est pas là ce soir, car elle est devenue grand-mère pour la troisième fois. Donc c'est une bonne raison de son absence. Alors oui, en effet, une délibération haute en musique. Oui, car le partenariat jazz à Villers existe maintenant depuis 2018. C'est un partenariat avec Loisirs et Culture. C'est une délibération donc, que vous avez l'habitude de voir ici en conseil municipal depuis 3 ans. Ce partenariat fort permet à l'association de développer une programmation complémentaire au théâtre, renouvelant ainsi son public, et marque le soutien apporté par la ville aux acteurs culturels de son territoire. 6 concerts-clubs ont ainsi pu être programmés depuis 2018. Et là, le premier concert du quartet Michel Mays est ainsi programmé le 26 novembre prochain. Donc vous pouvez le noter dans vos agendas. Donc c'est au Caveau. C'est un groupe luxembourgeois. Ils sont très jeunes, ils ont 30 ans. Ils ont le pop, l'électro et le jazz dans la peau. Alors vous allez me demander comment est mis en œuvre ce partenariat ? Eh bien, donc tout simplement, l'association donc, Loisirs et Culture
est organisateur de ce concert. L'association prend en charge le volet administratif, technique ainsi que logistique. Elle assure la rémunération des artistes, elle les accueille ainsi que le public. Elle s'occupe de la billetterie et assure la communication dans le cadre de sa programmation habituelle, internet, flyers, etc. Et la ville, de son côté, intègre les concerts dans la saison culturelle qu'on appelle donc Jazz à Vider, que vous connaissez tous. À ce titre, elle assure la communication. C'est mon micro qui... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je finis. Elle cofinance l'opération sur présentation du budget et l'opération et permet à l'association Loisirs et Culture d'atteindre l'équilibre budgétaire. Il vous est donc demandé ce soir d'approuver ce beau partenariat. Et je ne sais pas si on m'entend toujours. Si, mais le rapport est rapporté. Des questions, des remarques? Moi, je voudrais faire un ajout au-delà de la filière jazz luxembourgeoise que nous aurons l'occasion de découvrir avec curiosité et intérêt. C'est le travail et c'est l'ouverture de notre caveau à un grand nombre d'activités, même si maintenant, depuis quelques années, on avait déjà le jazz. Je crois que le travail partenarial, là aussi, conduit par la municipalité et Loisirs et Culture, pour avoir une utilisation encore plus importante du caveau, est quelque chose qui fait partie de la signature villaroise. On pourra d'ailleurs, quand les premières récoltes du futur vin de Villers arriveront, en raconter aussi toute l'histoire, puisque ce caveau était une cave avant de devenir un lieu de culture, c'était un lieu d'agriculture. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le jazz. On n'en a pas fini avec les plats de résistance, puisque voici la décision modificative numéro 3, au rapport de Valérie Rampon. Bonsoir, merci Monsieur le Maire. Donc effectivement, la décision modificative numéro 3, pour prendre en compte des éléments qui n'étaient pas connus au moment de l'adoption du budget 2021, trois éléments importants à considérer. Donc une augmentation de 16 000 euros pour les frais liés à l'accueil des enfants à la crèche Louise Delsart. La prise en compte du dédommagement que nous avons reçu par l'assurance pour le sinistre de la maison des associations pour un montant de 134 900 euros, ça ferait beaucoup, ça ferait dommage, voilà. Et enfin, la prise en compte d'un montant de 78 000 euros pour le changement de la bulle de tennis qui a souffert suite à différentes avaries. Il est donc demandé au Conseil d'adopter cette décision modificative numéro 3 suivant les éléments exposés. Merci. Des questions, Valérie Bozertlec. Notre groupe votera favorablement à ces décisions modificatives. Cependant, nous nous questionnons sur la pertinence de l'infrastructure bulle de tennis. Et nous aimerions avoir des indications sur les frais de fonctionnement de cette bulle, qui nous semble peu éco-responsable dans son organisation technique, étant donné qu'il y a une soufflerie en permanence, que ce sont des frais de fonctionnement qui sont assez conséquents aussi en termes de chauffage. Et est-ce qu'il est opportun réellement de changer cette bulle plutôt que d'apporter qu'elle ait une solution plus pérenne et peut-être beaucoup plus... en tout cas, moins consommatrice en énergie. Merci. Des réponses sur ce sujet, non? Ou comme vous voulez.
Valérie, je me tourne. Pardon, alors, le sportif. Mais déjà, les financiers ont aussi dormi. Concernant déjà effectivement cette nouvelle bulle, effectivement, elle va permettre déjà de diminuer les frais de fonctionnement au niveau électricité, chauffage et soufflerie. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, on pourrait aller vers l'installation d'une structure différente, dure, mais les coûts d'investissement ne sont absolument pas les mêmes. Et j'entends bien votre remarque. Voilà, on fait au mieux avec les moyens dont nous disposons. Oui, on peut compléter ça d'ailleurs. Alors, d'une part, la bulle n'est pas chauffée, donc, ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain. L'essentiel donc des coûts correspond à des coûts d'électricité, éclairage et à la soufflerie. Pardon. Et l'alarme. Je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit, hein, ça permettra de replacer un certain nombre de choses, que une part extrêmement significative, je ne vais pas au-delà pour ne pas dire de bêtises. Mais quand je dis extrêmement significative, c'est parfois majoritaire de l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est le bâtiment. Ce sont les intrants pour construire le bâtiment. Donc, personnellement, je veux bien qu'on se livre à une interrogation au-delà du coût que représenterait la construction d'un bâtiment en dur. Mais je pense très sincèrement que l'empreinte carbone pour produire une bulle en matière synthétique est en l'occurrence significativement inférieure à celle d'un bâtiment béton ou d'un bâtiment bois. Donc je pense que dans ces cas-là, il faut éviter de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, d'autant que désormais aussi, nous avons fait tous les travaux nécessaires à un fonctionnement en bulle sur un site qui n'est pas facile puisque il est extrêmement exposé. Et donc, c'est le système aujourd'hui le plus pratique pour assurer cette pratique. Voilà. Oui, pardon. Oui, je veux bien intervenir, monsieur le maire. Oui, en complément de ce qu'il a pu dire sur le côté sportif, la bulle devenait vétuste et à force de la baisser, etc., de la relever, elle devenait un petit peu fragile. Donc, en concertation avec le club qui, c'est vrai, vous n'êtes pas sans savoir, a connu de certaines mouvances, puisque le président Roland Griffon, après 35 ans de bons et loyaux services, a passé la main la semaine dernière à un nouveau président qui s'appelle Bernard Maire, comme monsieur le maire, mais Bernard Maire, donc un nouveau président, une nouvelle équipe pour essayer de, je ne dis pas pour, faut pas employer les termes, je crois que Roland Griffon pendant 35 ans a fait un travail exemplaire pour continuer à insuffler le tennis sur Villers. Donc c'est vrai, c'est une bulle, comme l'a dit notre agence à la finance, si c'était quelque chose en dur, ce serait un investissement beaucoup plus important. Sachez que la bulle en elle-même, c'est un investissement de 35 000 euros. Et que la bulle en elle-même de 35 000 euros, nous sommes en concertation avec le club pour que cet investissement qui a été pris, bah, peut-être lors des prochaines subventions de fonctionnement de ce club, eh ben, il y ait une compensation qui soit faite par le club au fil des années. Voilà, donc voilà, c'est un investissement important. Comme on l'a dit aussi, une amélioration de l'éclairage, puisque nous allons passer en LED. Donc nous allons avoir aussi des coûts donc de fonctionnement d'éclairage en moindre. Voilà, ça nous paraissait une bonne solution pour un club qui vit bien, qui est l'un des meilleurs clubs de l'Est de la France, avec de nombreux cours extérieurs, de nombreux cours couverts. Et donc nous avons voulu les accompagner au mieux avec un coût relativement moyen. Merci. Cyril Perrault. Oui, juste notre collègue nous dit qu'un dialogue est en cours avec le club pour justement répercuter le coût de cette bulle sur les subventions des années à venir. J'avais cru lire dans un rapport de présentation que c'était déjà acté.
Oui, je pense que Didier a pris la précaution d'usage liée à l'arrivée d'une nouvelle équipe pour lui en réserver la primeur. Mais le club avait au départ prévu d'emprunter pour s'offrir, pour se payer, si je puis dire, la dite bulle. Cette solution étant juridiquement inopportune et peu pratique sur un terrain communal, c'est le même esprit qui y préside et c'est bien l'équivalent de ce que le club aurait à rembourser sur son propre emprunt qui sera a priori défalqué de la subvention annuelle. Je le mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Ah, Bertrand Folz s'abstient pour des raisons, ne participe pas au vote pour des raisons voulant éviter tout conflit d'intérêt. Voilà, pardon. Je vous indique d'ailleurs que ces sujets sont en train de devenir extrêmement drastiques. On n'est pas tout à fait comme dans les très grandes collectivités, mais il faudra qu'on y soit tous très vigilants à l'avenir, membres, présidents d'associations, etc. Je lance à la cantonade. Hein, je sais que vous êtes tous très, très, très concernés et sérieux sur ce sujet, mais il faut quelquefois le mentionner, comme Bertrand vient de le faire. La preuve, j'allais l'oublier. Merci. En revanche, c'est voté, on est d'accord. Alors le recensement de la population pour l'année 2022, la rémunération des agents. Moi, je vais les payer au nombre de Villarois qu'ils trouvent. Il s'agit d'une délibération très classique, puisque la collecte d'informations est réalisée annuellement. L'an dernier, par contre, elle a été annulée et remplacée par une simple estimation. La procédure se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022 et sera effectuée par 3 agents recenseurs pour la collecte des informations et d'un coordonnateur secondé par un adjoint pour le contrôle. Ce coordonnateur est communal. Elle portera sur 649 logements, soit 8% du nombre de logements villarois. Il appartient à la ville de fixer la rémunération des agents qui vont effectuer la collecte des informations et leur contrôle. Il appartient au conseil municipal de déterminer si l'agent coordonnateur et son adjoint bénéficieront d'une décharge de leur tâche, d'un repos compensateur ou d'heures supplémentaires. Il est demandé au conseil municipal de fixer la rémunération des agents recenseurs selon les tableaux, le tableau figurant, figurant dans la délibération, soit pour un montant de 1277 euros par agent, et de prévoir que l'agent coordonnateur et son adjoint bénéficieront d'heures supplémentaires pour un montant total de 200 euros. Le coût estimatif global de cette collecte d'informations est de 4031 euros, partiellement compensé par une dotation forfaitaire de l'État de 2702 euros. Alors, si je peux me permettre une remarque, je peux vous dire que la dotation de l'État est en diminution constante depuis plusieurs années, d'environ 40 euros par an. Merci. D'ailleurs, pas si bien dire, mais ça, on le paiera plus cher pour les nouveaux. Je pense qu'on peut le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un autre marronnier, les ouvertures dominicales pour l'année 2022. Francis Sigrist. Merci, monsieur le maire. Oui, comme l'année dernière, donc je vais vous parler des ouvertures dominicales des commerces de détail sur le territoire de Villers-lès-Nancy pour 2022. Donc la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'attractivité et l'égalité des chances économiques est venue modifier les dispositions applicables en matière d'ouverture dominicale des commerces de détail. Parmi les évolutions figurent plusieurs aménagements relatifs à la capacité de dérogation relevant du pouvoir de police des maires, communément appelé les dimanches du maire. Ce texte prévoit ainsi que pour les commerces de détail non alimentaires, il peut être dérogé
au repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an. Cette évolution législative offre ainsi la possibilité aux commerçants non concernés par des dérogations nationales ou sectorielles d'être ouverts plus souvent s'ils le souhaitent et si leurs salariés sont volontaires. Elle permet également d'inscrire les ouvertures dans un calendrier annuel préalablement défini et collectivement coordonné à l'échelle intercommunale. En effet, au-delà de 5 dimanches, la décision du maire doit être prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Je reprends mon souffle. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois, suivant cette saisine, cet avis est réputé favorable. Cette dynamique collective découlant de la coordination entre l'ensemble des communes de la métropole engagée depuis 2 ans a pour objectif de générer une attractivité commerciale plus forte, potentiellement en lien avec les événements festifs et commerciaux qui rythment la vie locale. Cette méthode de concertation a été retenue dans le cadre de la stratégie de développement commercial de la métropole adoptée le 13 janvier 2017 et actualisée le 8 février 2019. Afin de poursuivre dans cette voie et de renforcer plus encore la dynamique commerciale sur le territoire, il est proposé, s'agissant des ouvertures dominicales pour l'année 2022, de renouveler ce calendrier et d'acter une position commune de principe consistant à fixer un socle commun de 7 jours d'ouverture pour l'année 2022, correspondant aux 5 dimanches avant les fêtes de fin d'année et aux 2 dimanches d'ouverture des soldes, soit les 9 janvier 2022, 26 juin 2022, 20 novembre 2022, 27 novembre 2022, 4 décembre 2022, 11 décembre 2022 et 18 décembre 2022, qui est une très bonne date. Il est demandé au conseil municipal, c'est mon anniversaire, oui. Donc il est demandé au conseil municipal d'acter la volonté de la ville de Villers-lès-Nancy d'offrir la possibilité au commerce de détail d'ouvrir les 7 dimanches constitutifs du socle commun établi par la métropole du Grand Nancy. Je vous remercie. Merci sur cette position tout à la fois de modération sur le fond et de concertation sur la démarche avec nos 19 autres communes de la métropole. Pas de problème particulier. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Au rapport de Christine Féchon-Paglia, le remboursement des frais occasionnés aux résidents dans le cadre des déménagements sur la résidence Paul-Adam. Merci, Monsieur le maire. Comme ça a été déjà dit tout à l'heure par Stéphane, la ville de Villers-lès-Nancy s'est engagée dans des travaux de modernisation de la résidence autonomie Paul-Adam. Le projet permettra la rénovation et l'adaptation des logements ainsi que la mise en accessibilité des espaces communs afin de redéployer un habitat adapté favorisant la sécurité et le confort des résidents. En effet, la nouvelle configuration des appartements répondra à l'ensemble des normes d'accessibilité déclinables techniquement dans l'existant, s'appuyant notamment sur des solutions domotiques répondant aux besoins des résidents selon des scénarios de vie adaptables à chacun. Par ailleurs, la performance énergétique de l'établissement et des logements sera améliorée dans une approche durable et éco-responsable. Les marchés de travaux permettent de valider le calendrier de l'opération avec une première phase de déménagement avant la mi-novembre, c'est déjà engagé d'ailleurs, et un démarrage du chantier début décembre. Ces déménagements occasionnent aux résidents des frais d'ouverture de compteurs électriques qu'il convient de leur rembourser. Ces remboursements pourraient s'opérer via une subvention exceptionnelle couvrant ainsi les frais engagés. Il est demandé au conseil municipal d'accorder aux résidents, conformément à la liste en annexe, de la résidence autonomie Paul-Adam, une subvention exceptionnelle correspondant aux frais engendrés par leur déménagement dans le cadre des travaux de modernisation de la résidence et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci Christine. Des remarques, des questions? Non, s'il n'y en a pas, une supplique pour qu'un jour, peut-être,
nos spécialistes de la comptabilité publique puissent nous trouver la façon tout simplement de réduire pendant un mois le loyer plutôt que d'avoir à mandater une subvention exceptionnelle. Je vous jure que quand on fera le calcul du coût du traitement de ces opérations, sincèrement, voilà. Alors, je sais très bien que je sors un truc énorme, absolument horrible, et qui en tout cas ne sera pas traité à 10 heures du soir en conseil municipal de Villers, mais sincèrement, je pense qu'on n'est pas les seuls à en souffrir. Voilà, je le mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour nos résidents qui sont déjà compréhensifs et qui acceptent d'ailleurs de bonne grâce de déménager. Alors, un dernier feuilleton peut-être pour la soirée, l'échange d'une parcelle entre la SCI de la Sens et la ville de Villers-les-Nancy, au rapport de Gérard Pals, qui a le temps de se préparer. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération a déjà fait l'objet d'une présentation sur un principe global. Donc, la délibération d'aujourd'hui va nous permettre, d'acter un nouveau découpage et une nouvelle numérotation parcellaire. Donc, de quoi s'agit-il ? La SCI de la Sens, représentée par M. Leblon, a demandé à la commune d'autoriser le passage des canalisations de la SCI sous la parcelle AM89, propriété de la commune. Une réponse négative a été apportée à cette demande, au motif qu'un projet immobilier était en cours à proximité immédiate de cette parcelle sur un terrain appartenant à la SCI, et qu'il semblait alors préférable de raccorder les canalisations sur cette opération. La SCI de la Sens a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Nancy et dans le même temps a proposé à la mairie d'échanger une partie de la parcelle AM89, propriété de la commune, avec une partie de la parcelle AM96, propriété de la SCI, s'engageant à retirer son recours en cas d'accord. Le principe de l'échange a été retenu, la ville autorisant la SCI à faire les travaux souhaités par anticipation. La SCI de la Sens n'a toujours pas mis fin à son recours à ce jour. Néanmoins, le tribunal administratif de Nancy a proposé le recours à une médiation qui s'est déroulée le 13 octobre 2021 et s'est conclue positivement. Par ailleurs, à cette occasion, la ville a pu se procurer le plan d'échange précisant la modification du parcellaire cadastral éléments qui manquaient pour finaliser cette procédure. Il est donc demandé d'autoriser l'échange des parcelles AM109 et AM111, issues respectivement des parcelles AM89 et AM96, entre la ville de Villers-Nancy et la SCI de la Sens. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes se rapportant à cette procédure. De prendre en charge 50% des frais de géomètre, soit un montant total de 795 € et 50% des frais de notaire, droits de mutation et autres liés à cet échange. Oui, Cyril Perrault. Oui, si nous ne sommes pas contre le principe de l'échange, pourquoi pas, la SCI étant demandeuse, nous sommes par contre opposés au principe de prise en charge financière de la moitié des frais par la municipalité. Donc, nous voterons contre cette délibération. Cette prise en charge provient d'une médiation judiciaire, qui nous a été proposée par le tribunal administratif. Quand le tribunal administratif propose, considérer qu'il n'est pas loin de disposer. Et très sincèrement, elle provient ensuite d'un tout petit peu d'expérience des contentieux entre une institution, si petite soit-elle comme la nôtre, et des particuliers. En effet, il est plus que fréquent et il est extrêmement majoritaire que l'ensemble des frais générés dans ce genre d'exercice soit mis à la charge de la collectivité, considérant qu'elle est plus forte et probablement plus dotée que le particulier concerné. Tout ça peut être parfois relatif, aussi bien dans tous les
cas. Et donc, voilà, à un moment donné, on accepte ou on n'accepte pas la médiation. Si on n'accepte pas la médiation, on continue. On a des frais d'avocat, on a des frais qui continuent de tourner et le risque d'avoir à en prendre en charge la totalité. Donc, à un moment donné, ben, voilà, il y a un arbitrage. Voilà, c'est comme ça que j'ai arbitré. Je vous laisse tout à fait libre de votre propre opinion sur ce sujet. Je le mets au... Oui, Madame Bozertlec. Et juste en complément, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque du tout à ce point de vue, je ne suis pas certaine qu'il y ait à généraliser sur les positions du tribunal administratif en la matière. Par contre, nous tenons à rappeler qu'il s'agit bien d'une démarche individuelle portée par une personne et qu'il nous semble peu opportun de mobiliser de l'argent public pour cette cession, en tout cas cet échange de parcelles, alors que l'initiative revient à cette personne individuelle. Non, là, la réalité n'est pas celle-là. Nous y trouvons notre compte, puisque nous avions sinon une parcelle dont nous étions obligés d'assurer des droits de passage et qui, en l'occurrence, nous causait plus de difficultés que d'avantages. Donc nous sommes tout autant partie prenante de cet échange. Il n'est pas dans notre habitude d'accepter la demande isolée d'un particulier si elle ne nous convient pas. Donc le sujet de fond nous arrange également dans un contexte de découpage parcellaire totalement historique. On pourrait le refaire, avec d'ailleurs des espaces qui sont devenus propriété de la métropole, qui était aussi propriété du département et qui n'ont pas d'usage pour la voirie. Enfin bref, sincèrement, il y a là-dedans un plat de nouilles et la sortie du plat de nouilles arrange la collectivité. Il faut que les choses soient parfaitement claires. Là, il me semble qu'on ne part pas dans la bonne direction, je le dis très clairement. Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Parfait. Qui s'abstient? Merci. Bonne soirée à tous. Notre prochain conseil se tiendra le lundi 13 décembre à 20h. Merci et bon retour.